Where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Families, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsie Moo. But my friends call me Wootsie. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. There's something real strange about that dude, man. Be careful, CJ. For sure. Smokers may look relaxed and like they're having fun. Don't believe it. Vote yes on Proposition 421. Let's outlaw smoking everywhere, even in people's homes, and allow honest citizens to legally kill anyone who smokes. Let's live in a world without smokers. Prohibition works. Let's prove it. Let's move up the food chain. It's time to smoke the smokers. Vote yes on Proposition 421. Generation is gonna do big things. I can feel it. We just need to hear more music.
Mais voilà, petit là. Non, le semi-fail à la fin, j'ai eu très très peur, mais qu'est-ce c'est qui pour ce mettre un peu de suspense dans cette course, ce qui est pas très difficile, mais il faut se remettre un peu dans le bain. Effectivement, on n'a pas parlé avant, effectivement, on était tout là concentrés, mais que va-t-il se passer? Écoutez, la magnifique pub, hein, comme quoi il faut tuer les smokers. Effectivement, mais je crois qu'il y a une petite thématique. Petite thématique. Ooh, yeah! You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Et voilà, mission réussie. Donc voilà, bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. Donc on se retrouve pour la 11e partie de ce Chitaplay sur GTA San Andreas. On a, décidé, atypique, hein, ouais. On a décidé de commencer par la course et d'être en off, genre pas en off, mais de se taire. Voilà. Pour pouvoir être concentré sur la course parce que. C'est un téléphone. Ouais, on s'en fout, c'est bon, on s'en fout, vas-y, continue. Donc oui, je préférais me concentrer un petit peu sur la course parce que comme Gino n'aime pas trop les courses, moi ça, ouais, ça m'est égal. Je me suis appliqué, j'ai réussi au bout de la deuxième fois parce que la première fois en fait j'avais. J'avais failé au niveau du son. Oui, tu t'es un peu retourné plusieurs fois, mais là à la fin j'ai un peu peur parce que ça devenait long en fait à la donc fin. Voilà, mettons sous like, on présente notre ami CJ qui a changé de tenue, qui a changé de il a arrêté tout ce qui était religion, il a arrêté tout ça, ouais. Maintenant c'est plutôt mais, la graisse du cul quoi. À force, quand Acme écoute Carrosse, au bout d'un moment c'est le mec qui se transforme aussi, hein. Et là on voit que la transformation a été reproduite en termes de gros ça regrossit, porc cowboy, il a tué un guépard, c'est pour ça qu'il arbore ouais. Ce magnifique chapeau CTM. Et qu'est-ce qu'il fait Noob Skin là-bas? Et il a une magnifique moustache aussi. Elle a une moustache, la moustache fait tout. Ça fait un peu YMCA, les Village People, Troy Gay et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. On va aller voir. Je sais pas où sauvegarder. Chez l'autre, la Biatch. Chez Catalina, ouais. Catalina, on va aller voir. Et après, on refera la course avec CV, parce que je crois que c'est notre course, non? Au pire, on peut acheter une maison, hein. Non, j'achète une maison. Non, j'ai pas envie d'acheter une maison. Bon, on va chez Catalina, alors c'est parti. Et après, c'est une autre course encore avec César, donc je pense qu'on va se reterre. On va se reterre hein. Et on va écouter voilà. La musique son. Je veux dire, du coup, ça vous fait écouter un peu la radio. Radio X, c'est très voilà, très bon. Voilà, c'est ça. C'est vraiment rare. Il n'y a pas non plus énormément de courses. C'est à la campagne qu'il y a des courses comme ça, donc du coup, on se tait pour que vous puissiez avoir une victoire, hein, et une bonne conduite. Et du coup après voilà, on vous inquiète pas, on prendra la parole, on vous fera les cons. Hein, on a pas eu beaucoup de conneries dans cette vidéo. Oui. Au début on a hésité à commencer avec une connerie, on a dit non, on va commencer avec la course, voilà. On sera tranquille et après on ira faire les cons parce qu'a priori on a eu des appels à Ganton, il faut revenir hein, donc on va y aller, on va aller voir il y a des problèmes de voisinage, bon je me trompe c'était là-bas, avec mon picador. Oui non, il y a des problèmes de fonds sceptiques aussi. Oui des sachets par-ci, il faut en distribuer pas. Notamment aux dealers apparemment. Donc on va y aller. J'ai pas trop vérifié tout ça. On s'est bien amusé à personnaliser notre petit CJ, on l'avait vu de toute façon, il peut arborer, être habillé de mille vêtements. Et là, franchement, on a décidé de faire en mode cowboy gros. Mille et une leader surtout. Hein. Ouais. Tout ce qui va bien, hop. Le chapeau, tout va bien. Quoi. Alors, on va sauvegarder, je vais essayer de t'amener la Buffalo à la course, pas de son trop l'abîmer, hein, c'est très important. Ouais, parce que la Buffalo est une bonne voiture, mine de rien. Là, on voit les copains de Catalina. C'est les anciens, c'est les ex à mon avis. Exactement, il y a quelques soucis au niveau du chevalet. Allez, on va saver. On a fait des kikimous pour la course, mais bon, on veut vraiment assurer. Et non, on l'a dit, on le répète, oui. c'est un cheat play, on est là pour s'amuser, c'est voilà. L'été, on se détend, on n'est pas là pour prise de tête. Non. L'émission, on l'a réussi, si on l'a réussi pas, on les fait en off, et on vous les pose quand même. Voilà, c'est pour ça. Pour avoir les cinématiques. Il n'y a pas de problème qu'elles soient en off ou pas, c'est que bon, ça peut déplaire, il fait nuit, on ne parle pas. On sauvegarde encore, ouais. Il fait nuit. Ok, bon, on va sauvegarder encore. Parce que la course de nuit, c'est chiant. Et ouais, même si on parle pas, ça dure 4 minutes, vous inquiétez pas, c'est bon. Allez, gros bouchon cul là, c'est comme il en peut plus, comme il marche. Pire, ceux qui ne veulent pas voir la course, vous pouvez très bien accélérer, avancer. Hein, ah oui, vous faites. Nous, c'est qu'on vous la montre, voilà, comme ça, parce qu'on préfère ne pas parler. Ça fait partie les... des missions principales du jeu, donc on est obligé. Autant celle de zéro, on pourra les zapper, on les montrera quand même pour rigoler un peu la prise de tête, oui. Comment on fait. Moi, j'avais pas trop galéré, je me rappelle pourtant. Certains plus que d'autres en fait, mais moi j'avais réussi un matin, je me rappelle, mais bon. On vous les montrera tout ça. Donc voilà, Wuzi qui dit si t'as envie de nous voir bientôt. Donc bientôt on ira à San Fierro. Je pense que si on joue bien, on peut si finir on joue bien, on peut arriver à San Fierro à la fin de cette vidéo. Au début de la suivante, quoi, en tout cas.
creux. Y a... Mais bon, si on voit qu'on est short time, genre qu'on arrive vers, ouais, vers les 1h et qu'on n'a pas fini le jeu, genre la jeu. Ah, je crois pas qu'on aura fini le jeu, c'est peut-être. Hein, on ira récupérer à l'aéroport un avion. Oui, ce sera la pause récréation. Hein. Récréation, ça chez Persid Style, fausse sceptique. On ira refaire la pub chez les DR. C'est beaucoup de choses à faire dans ce GTA, ça vous le savez. Oh, il est chaud lui. Il est chaud, mais ça va être faux. Ouais, mais c'est un semi-chaud, tu vois. Allez, vas-y. Allez, moi je roule très doucement pour pas abîmer ta voiture. Hop là, attention. Non, mais de toute façon, c'est bon, t'inquiète. Hein. C'est pas grave, j'ai vu que tu fais des tonneaux, donc c'est ta spécialité. Oui, j'aime bien faire des tonneaux comme ça. Spécial. Et donc là, par où faut, ouais, par là-bas, franchement. Comme, faut remonter en fait, c'est faut monter. Ben en fait, où on s'est quitté, faut revenir, je crois. Voilà, c'est ça, parce que je suis tombé très violemment. Parce qu'ils disent que c'est CV, mais c'est pas CV en fait, c'est Bouzy, je crois. Non, non, c'est toujours César, hein, toujours. Il n'y aura plus Bouzy, je crois, c'est avec Claude, quoi. Ah ouais, mais là, c'est avec Catalina et ouais, avec GTA 3. Tout à fait. On va essayer de la réussir, mettons. Alors, vous nous direz, hein, dans les commentaires, vous qui avez sûrement joué à tous les GTA comme nous, et dans un ordre certain, ça, c'est chacun son expérience de jeu vidéo. Bien sûr. Donc, c'est... Que pensez-vous de ce personnage du 3 qu'on incarne? Est-il charismatique? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'adorez par rapport à Tommy Versetti, par rapport à CJ? Si vous pouvez établir un classement, moi je sais que personnellement, moi je préfère CJ après Tommy Versetti et après. Ouais, tout à fait. Le mec du 3. Qui n'a pas de nom. Hein. Qui n'a pas. Non, Claude, je crois qu'il s'appelle normalement. Allez, vas-y. Elle l'appelle Claude. Bon, en tout cas, voilà, on lance, hein, ouais, vas-y, et lance. On se retrouve à la victoire, en tout cas, on mettra le morceau gagnant. Voilà. Farewell, my love. Amour. Donc c'est ça, c'est Catalina. Donc voilà, à tout de suite. What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. You! And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait! Leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions holed up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Huh? No, I could take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Crazy bitch.
listening to Radio X, the birthplace of modern rock and fundamental social upheaval. Myself, so why would I care about you, or poor people, or the rainforest? I'm poor in spirit. Et voilà, putain. Bon alors, on réussit au bout de la deuxième tentative. Hein. Donc ça la va. Première, en fait, ils m'ont trop défoncé ces connards et la voiture a explosé. Mais là, j'ai bon, ça va. Ça va. C'était bien, bravo. Pas perdu trop de temps. Non mais c'est vrai que c'est avec cette voiture, en plus, ça patine pas mal. On a pas beaucoup d'habilités en voiture. Ah, on va les écouter. On perd castan un peu ceci dit. Drew had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. Drew thinks you're clever, but it is you who is missing that point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Elle est folle, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que casse à Liberty City, on veut pas y aller quand je trouve le Liberty City de VTA 3. Ah, pas beau, hein. Et caca. Ouais. Allez, non, bon. Y a plus de. Je sais pas, c'est plus vrai pour un smoke gonade. Je sais le fuck qu'il y a. Donc voilà, on peut dire bonjour à ceux qui ont raté, qui auraient passé les deux courses. Hein, voilà quoi. On se retrouve donc, va sauvegarder. Et on va aller faire la dernière mission. Normalement, là-dessus, il y a un mec qui t'appelle hein, pour. Mais je reste dans la voiture, moi je suis bien. Voilà, on est ça, bien. On va bloquer le jeu. Donc voilà, la 11ème partie hein, du sur la play sur GTA et ça continue, on va aller chez eux. Donc oui, on a fait deux courses en muet. On a parlé un petit peu entre temps quand même. Doucement, tout à l'heure t'as fait le fight, t'es tombé aussi. Voilà. Parfait. Pas de la bagnole abusive, genre. J'aime pas ça. Bon, allez, on se écoute. Décidément, on fait que se taire. Hein. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Oh man, I don't know you. Prank caller. N'importe voilà, c'est quoi, c'est chaud. Il a trouvé des plantes, mais il a dû les consommer en même temps, tu vois. Ouais, je pense qu'il teste, hein, il teste, ça, il teste, il approuve. Donc c'est la dernière mission avec lui normalement, si je me rappelle bien. Et comme elle nous a filé le bail pour le garage à SF, on va aller à SF. Mais d'abord, on va finir ces trucs là. Et normalement, c'est dans son van qu'on ira à SF. Donc voilà, on y sera à SF. Vous inquiétez pas. Alors cette mission, c'est la, fallait, vous allez voir brûler des champs de drogue, si je me rappelle bien. Non, c'est des tomates. Et voilà, comment on descend en Buffalo, hein, de chez Catalina, comme ça. Et c'est pas très compliqué. Et voilà. Mais si Marc-Louis, il y a lance-flamme. Voilà, il lance la, et la police. Il y a l'hélicoptère, la police 4 étoiles. Tout à fait. Il y a du monde. On va essayer tout ça. Il y a du beau monde. En tout cas, on est chaud là. Notre CG, ouais, en mode on le remonte hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Bah, il a fait péter la chemise en bas. Regardez, elle commence à craquer. Ah, mais il a déboutonné, elle a craqué. Vous avez vu dans les cinématiques. Oh putain! Je n'ai rien vu. Ils ont pop, tu sais, comme ça quoi. Ils ont failli me découper. C'est quoi là-bas? C'est une étoile. C'est un tracteur abandonné. Hein. Et là-bas, c'est un tracteur abandonné qui roule tout seul, qui est le Yeti. C'est le tracteur du Yeti. Je le laisse tranquille. Hein. La santé augmente, c'est bien, petit homme. Pousse. N'empêche, la santé de Max augmente très très vite. Elle augmente finalement. Je pensais qu'elle augmentait plus lentement. Putain. Bon, entre le tracteur, je pense que tu vas prendre le moteur. La wafer. Et putain. Le 12, hein, le 12. Non, mais le 12. Hein. Non, mais attends. Par terre, le 12. Voilà. Pourriture de communiste. Allez, c'est parti, on y va.
Donc cet excellent GTA et sa caméra. Excellent. Bon, les courses, c'est ça un peu difficile. Moi, je te laisse les faire. Et puis, on, comme ça, comme on l'a dit, on le répète, on parle pas du coup. Voilà. Oh, c'est du très bon Radio X. Hein, oui. Au début, les mecs, ils voulaient mettre SFR. Non. Waouh, Louzy, t'écoutes quoi comme musique de merde là? Attends. Après, j'espère que ça déplaira pas. On fait un jeu 3 minutes, voilà. C'est ça, nous, on fait comme ça. C'est pas comme si on avait fait une heure de vidéo sans parler, les gars. On va se rattraper, on a pas mal de conneries. Juste comme tu l'as dit, c'est des missions obligatoires, les courses, donc du coup on les fait. Bah oui. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup. La prochaine fois, ce sera une vite fait à SF et pareil un peu après. Fin, ouais, mais là, SF, je pense qu'avec une fois que tu as récupéré les légis ou la sultane. Après, il y a FZ, il y a Yannen avec le monster aussi. Enfin voilà, il y a des missions sporadiquement où on se terra comme ça. Mais globalement, mais ça on fait y pas de mal. Non, c'est pas de mal. Hein. C'est pas de mal. On pose dans les musiques. Voilà, c'est ça. Pour faire profiter de la superbe bande son de ce jeu, la superbe radio Radio X, c'est magnifique. Ce qu'on t'a dit, ils voulaient mettre SFUR. Putain, la voiture, oula, t'as la distance de freinage. Oh, le pont là, je suis sur le toit là-bas. Et là, il t'écrase. Non, c'est pas comme dans GTA 4, c'est bon. Parce que vu mon cul avant qu'il m'écrase, hein. Ah, mais ça rebondit, hein. Oh là là, une Infernus. Putain, une Infernus, les gars. C'est très rare une Infernus, hein. C'est. Suivez cette voiture vite. Est-ce qu'elle va disparaître ou pas? Vite. Allez, mais dégage. Allez, Mais là, de l'autre côté du mur, elle existe plus, ça y est. Est-ce qu'elle a disparu ou pas? J'ai peur que. Mais je me retourne pas, donc. On va voir. Ouais, je pense qu'elle a. C'en est une. Eh, franchement, les. Vas-y, viens, show Will Smith, vas-y, viens. Voilà, merci. C'est bon, putain, une famille, c'est magare. C'est très rare. Hein. Vous avez vu comment elle ressemble pas du tout? Rare, mais elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien du tout, mais à rien par rapport à ça. Pourtant, elle est super belle pour. Genre, elle. Oulala, l'arnaque assurance. Elle est très belle aussi. Elle est très jolie aussi. C'est le City culte. Ouais, parce que c'est les formes qu'elle a quoi. C'est la Lamborghini de Lance Vance. C'est ça. Mais là je trouve qu'elle a elle un déjà bon, défon- bon déjà défon- côté agressif. Ouais, mais c'est un truc de malade. Mais ouais, mais elle est très jolie. Effectivement, sous la pluie, c'est une horreur en plus. Elle est vraiment très jolie. Et c'est qu'elle traîne dans ce quartier à Beverly. Comme ça, voilà. Moi, je peux récupérer le monster. Allez, hop. Ils sont là? Non, il est pas. Faire un petit tour là. On va faire un tour alors. Hop, on va faire un tour là-bas. Nos amis photographes, cela dit. Non, vraiment. On va carrément aller voir nos amis dealers. Et on attend avec impatience les courses du coq là parce que. On veut les faire, nous. Les hein. Courses, là, il y a faire de la graisse avec long, le là. Coq, après, il y a le truc au Mufiliade aussi pour avoir c'est le trop t-shirt bien, ça. Et le short de Monsieur Coq. Hop là, bon, on a déjà fait l'autre truc, hein, mais bon, au Mufiliade un petit peu, on en a fait une. Il y a une de bas en haut aussi. Hein. Ouais. Oh là. Tiens, t'as une Infernus. Moi je préfère la Pérignale, moi je suis plus un rustique, tu vois. Ouais, c'est plus un campagnard. Moi je suis plus un mec là, voilà, il faut des voitures comme ça pour moi, tu vois, ça c'est mieux ça. Ça c'est de la vraie voiture, Johnny Dew. Ouais. Alors, Los Santos est devenu. Aussi, oh, putain, une club. Très très dangereux pour nous parce que même à Ganton, il y a des balades. Il y a des dealers, partout, quoi, n'importe c'est quoi. Chiant. Mais quand on va y revenir? Tout à l'heure, on s'habillait là, on a fait se faire flinguer. Non, mais c'est quoi, ça, rien que pour des habits, quoi. Juste parce que apparemment, c'est des soldes. Ouais. Du coup, on a pris son t-shirt et pas sa taille. Nous, pourtant, c'est du triple XL, on comprend. Ouais. De la taille. Voir, tu prends un S et tu l'agrandis avec tes bras. Non, et tu vois, t'es avec la Pérignale, ils sont adaptés, ils ont mis le Pérignale. Ouais, Pérignale, alors c'est parti, Pérignale Power, hein, c'est parti. Ah, allez, ouais. On est parti, on est là, on est chaud en Pérignale, allez, on est content. Je vais quand même prendre une autre. Allez, mais Kairos, ça bouge pas assez, ça. Voilà. Bon, Il pleut pas là, il pleut plus, je crois. Est-ce que. Attends, vers où il s'est mis ce con? Non, c'est pas loin, tu peux cross à droite là. On va cross, ok. Attends, j'attends juste le petit pont et c'est bon, on cross. Celui-ci qu'il faut tourner, monsieur. Oh putain. Bah toi tu prends le chemin de terre là, c'est bon. Voilà. La Pérignale, ça tourne bien. Je sers le frein à main. Voilà. C'est bon, et ça repart. Allez les gamins, à l'arrière, toujours attaché, c'est bon. C'est des voitures un peu cultissimes. Genre la Pérignale, c'est merde, c'est une merde cultissime. Ah, c'est clair. Je vais finir à pied, j'ai fini mais à pied aussi hein. Le bon break des années 80, mais regardez 80, ça quoi. Des familles là, dans tous les sitcoms, dans toutes les séries, un film dans les années 80, ils ont une Pérignale les gens. Ah, mais c'est ça. Si t'as plus de deux enfants, t'as une Pérignale hein. Ou une Regina s'ils sont riches quoi. Parce qu'il faut le chien derrière et tout. C'est la pire voiture au monde celle-là. C'est avec mon gros CJ là, ça fait. Mais tu vois qu'en plus elle est vraiment alourdie là. Ah non, mais c'est ça, l'avant ça touche, bon, finalement on va revenir là. C'est de la merde en fait. C'est de la merde cet endroit, mais qu'est-ce que je me suis fait. C'est ici où il y a des voitures comme aussi qui descendent toutes seules. Hein. Voilà, c'est le coin du Yeti ici. Hein. Ici, il doit venir ici. Il vient. Il fait un stage chez les mécanos. Mais il vient que le samedi, le 8ème samedi du jeu en fait. Donc quand vous jouez, il faut vous regarder les jours, c'est le 8ème samedi qui vient. Et là après, vous avez les chances. Il se répare les Clover. Voilà. C'est lui qui fait les toiles de toutes en les couleurs, les éditions Portugal ouais, et tout. Bon, ouais. Il peut même pas monter quoi. Dégage. Voilà, si j'ai pas compris. Regardez ça. Voilà, vous voulez une voiture qui descend toute seule, ben vous l'avez votre mystère. C'est voilà, CJ qui les tape en fait. C'est gros CJ Cowboy qui les fracasse les voitures. Parce qu'elles sont toutes pourries du cul, allez viens là. Ah dommage, j'aurais bien fait un road train là. Ouais, pour, il est là, il est bon. Là.
Regarde comment il marche. Pop 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 pop. Pop 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 pop. Voilà. Des flics, attends. Tu veux des motos? Non, c'est bon. Il y a même pas de flics, c'est juste que ça fait comme ça là. Allez. Allez gros CJ. Il a rempli bien quand même. On saute là, la freeway. C'est parti, on y va. À travers champ. Donc à travers champ avec une freeway, c'est pas recommandé hein. Non. Allez, on va avec notre ami de Truth. Hop là, il a sa magnifique harvester. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut le petit? Il a trouvé les plantes apparemment. Are you going to San Fierro? Ouais, parce qu'on va y aller, vous allez voir comment on va y aller, ça va être folle Floride. C'est assez culte hein. J'aime ce genre de voiture. C'est les combis d'ailleurs. Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Oh. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Il y a au moins 2 tonnes, 3. Génial ce mec, j'adore. Allez, il faut tout brûler avant que les fêtes arrivent là, la DEA qui arrive, la DEA. Faut tout baiser là. Attention, pas brûler le gros CJ là parce que on le connaît le CJ, tout il est capable là. De se brûler. Hein. Faire du bacon grillé, du cochon grillé après. Ah, il veut un bacon à tort là, allez ça, c'est du bon barbecue ça. C'est quand même, encore une fois de plus, on a encore une mission originale. Originale, vraiment originale. Faire brûler du cannabis, original. Je fais ça tous les matins. Ah, c'est magnifique, regardez ça. C'est quand même vraiment classe. Alors lui il nous aide un petit peu. L'hélicoptère est au-dessus de nous. Allez, 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 allez. Donc faut se dépêcher avant que les flics arrivent. Pour ça tu vas arriver des keufs 4 minutes 56. C'est énorme quand même, c'est vraiment énorme. Hein. Regarde ce genre de mission. Il y a que dans GTA SA qu'on... Enfin, il y a que dans GTA même dans SA donc, qu'on fait ça. Fais gaffe, en face de lui, hein, je pense. Non. Illimité. T'es pas illimité au niveau ouais, des je suis pas en illimité, non, mais je fais ce que je peux. Je gaspille pas trop, pourtant je fais bon, ça. Bon, il reste hein. 3 champs là, ils disent. 3 blocs sur le... Allez, donc c'est vrai qu'il y a un lance-flamme qui apparaîtra, enfin, qui apparaîtra à ramasser ici en arme sauvage. Allez hop là, on fait tout cramer là. On voit pas tous les points, je sais pas si ça marche bien. Ouais, là. C'est bizarre, ouais. Bon, on va dire que ça se fait. A priori, ils sont tous faits. A priori, hein. Ça se fait, on dirait. Allez, le gros, bouge-toi un petit peu. Allez, là, là, là. Qu'est-ce qu'il est gros comme ça là? On aurait pas dû le faire bouffer. Il en est fait, mou, là. Hein. Allez. Voilà, allez. Fais tout cramer, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça se répand bien là. Ah, ça se répand dans son gars. Bon, les mecs sont pas compliqués, hein, tu sais. Ils ont fait des texture pack, genre, ils ont pris une texture de. Bah, bien sûr, de cannabis brûlé, et voilà quoi. C'est parti quoi. Allez, 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 mon gros, mais bouge ton cul, putain! Tu veux te faire arrêter? Tu veux tomber pour après, notre pote cannabis pas, là? Notre pote nous aide pas trop, Game Truth, là, et je sais pas ce qu'il non, fait. Il consomme, il ramasse à la main lui. Il prend les têtes, il les met dans les. Il fait de la cueillette lui, il ramasse les feuilles, il est content, il fait. Faut pas gâcher, il a dit, attends. Pas gâcher. Alors, ils sont encore bonnes, ils sont en maturité, il est content, lui, c'est bon. C'est bon, 1045, il reste deux champs, ça devrait aller. Et après, on va partir avec, vous avez vu, le campeur, le van des hippies. Énorme ce van, hein. Qui est coloré vraiment, mais d'une façon qu'on ne pourra jamais refaire. Jamais refaire, jamais refaire. Hein. Sauf dans Dora l'exploratrice, hein, 5ème saison, et consomme ça. Allez, vas-y, là, il m'y met de pas trop, lui, hein. Ah, mais en fait, il y en a encore beaucoup, il y en a encore 3 ou 4. Ouais, non, mais oui, en il fait, y en a. Chaque rang, genre, c'est un, donc en fait, enculé de fachos. Enculé de fachos. Bon, on vous laisse les gars. On vous laisse dire ce qu'il dit, le pauvre, il est complètement déjanté. Allez, on va courir un petit peu en là. En fait, il en reste celle-ci là. Et deux autres, je crois. Ok, ouais. Allez, on va essayer de pas trop ouais, le motherboard, le ship, hein, l'autre, il veut prendre le vaisseau mère, c'est-à-dire le. Ou pas, quoi. Le campeur pour. Bah, vaisseau mère, les gars, quoi. Je vous aime pas non plus. À quatre. Que vos mères. C'est Booba, putain, les gars. Quoi. Oh, de la référence un peu là, au niveau de musicalité là. Bon, ben, je pense que Truth il est fan de Booba, du coup, tu vois. C'est possible. Ça expliquerait pourquoi il prend la drogue pour écouter. Allez, en fait. Il reste deux. Parce deux, qu'il prend de la drogue pour écouter. Hein. Deux rangs. Allez. 2 minutes 40. Deux rangs de patates à ramasser. Là, il s'en va à San Fierro après. Putain, pourquoi bon. C'est pas calé parce que je dis que 2,45 à 2,46 encore. Ah, c'est bien. Il me reste 3 minutes 10. C'est bon là. c'est bon. Ok. Ah, attention, je dis, il reste 2 minutes 33. Voilà, c'est bon. C'est calé. C'est calé. En fait, tout le genre maintenant, on va le dire. Ouais, à chaque fois, on le dira. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien compris, oui.
Allez, le petit CJ, là. Brûle. Bon, c'est une bonne méthode, je pense, de faire comme ça. Finalement, au niveau des munes, c'est pile poil. Hein. Oh putain, je fais le cul là. C'est dommage qu'il n'y ait pas graisse moins. Ouais. C'est ce que ça me fait la graisse là. Ça fait cuire le bacon un peu là. La cuisse, hein, le cuir. Voilà, vite. Putain. Vite, fais pas la. Le corps, ça fait longtemps qu'il était plus avec moi lui. Hein. Hélicoptère. Et donc là, il va y avoir une bonne petite cinématique. On va se taire, vous allez écouter. Hop, je prends mon Uzi au cas où. Faudra se battre. Allez, c'est parti, vite, j'arrive. Il n'y a pas encore les keufs. Chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. We're gonna make it into a lamp. Vas-y, abat l'hélicoptère. Il voulait en faire une lampe. Il est où l'hélicoptère? Juste tout de suite en fait, donc faut que tu recules. Là, vas-y, attention. Ah, tu as failli là. Attends. Ouais, mais ça bouge, c'est horrible. Vas-y, là. Et pourquoi ça bouge? Pourquoi CJ il bouge? Là. Okay. C'est le compte failé là. Hein. Non, mais c'est horrible, j'ai jamais vu. Normalement, il bouge pas. Ouais, mais j'aurais dû le péter direct là. Bon, mais cours. Allez, arrête-toi le gros, j'arrive là. Putain, on aurait jamais dû faire un gros port, j'étais sûr qu'on allait avoir des missions de. Mais bien sûr là, putain, je le savais. Vas-y, là, il bouge pas l'hélicoptère, il bouge pas, vite. Boum. Voilà, Evie, rentre dans le truc, dans le camper avec son sac d'école. Oh, enculé! Ah, ouais, mais tu l'as fait péter juste à côté. Chaud. Allez, chaud cacao, truth. Allez, donne-moi des produits là, c'est bon, je suis chaud là. Qui c'est qui conduit? C'est moi qui conduis. Bah, tu sais, il est chaud cacao lui, c'est sûr. Oh putain. Allez, bon, on vous laisse. Vaut mieux que tu conduis, j'ai pas touché un volant depuis 15 ans. Y'a pas de flic? Non. Rien, cousin, c'est gratuit. Ils ont vu le van de hippie, il a écrit piste. Et le van, il est trop beau. Il est trop beau. Malheureusement, on pourra jamais le retrouver. Ah, une rotation. César, okay. Écoute. En fait, il parle au téléphone, il appelle César pour aller. Je crois que je suis un peu défoncé par rapport à avoir fait brûler du cannabis. Déjà, c'est pas dans ce sens qu'il faut y aller. Déjà, je connais la route, donc c'est pas dans ce sens. Déjà, je me suis trompé. C'est déjà quand tu prends les lacets, c'est pour retourner là-bas. Donc, regarde. Il faut que j'aille là-bas, et repartir là-bas. Et hop, cliquez là et ici, là. Et là. Ok. Voilà, donc, allez, on y va. C'est parti. Heureusement qu'on n'a pas la police. Mais c'est peut-être pas un truc. C'est sûr qu'on l'a pas encore. Mais pour l'instant, on l'a pas. Hein. Bon, on va voir. Pour l'instant, on l'a pas, mais. Ça ne saurait tarder. On a réussi quand même à. Ouais, à descendre. J'ai vraiment cru que j'avais failli. Parce que. Non, mais ça bougeait, c'était horrible. En plus, c'était un gros tas, mon mec d'avance. Moi, je me rappelle, je l'avais buté direct. Oui, moi aussi, mais là, ça a bougé. Au début, il bougeait pas. Attention. Ouais, vous voulez de la dope, les mecs? J'ai trop 3 kilos, j'ai. Bah, le coffre il est blindé. Regardez comme. Fronton, tu fais vu du côté là. Regardez l'arrière. Tout le long quoi. Merde, dès que tu fais vu de côté, ça fait. L'arrière, il touche le bas de cassette. Ah, mais c'est vraiment très joli, regardez. Le monchi en face. Exactement, c'est magnifique. Allez, hop là. Ah, mais c'est marrant l'émission dans la campagne. C'est vrai, notre ambiance, on le répète, ça a été bien fait quand même par Rockstar. Hein. On trouve un mec qui utilise les plantes et bien sûr, on fait l'effet brûlé. C'est plutôt bien fait de ce point de vue là. Ça va vite quand même, on est déjà à SF. Bon, ouais, si tu vas me dire oui, on est dans une vidéo, ça fait 11 heures de jeu, oui, c'est quand même pas mal. Il me semble qu'on peut couper là. Mais je sais pas si ça y va en fait. Excuse-moi parce que je m'en veux plus trop de la route de SF là. Voilà, c'est ça. Si on coupe là, après on arrive directement devant le garage, je crois. C'est ça. Donc on va couper. Parce que je sais comment quand on coupe vite, on fait des tonneaux ce mois-ci. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait une bosse là ici, vous voyez. À droite. Hop là. Voilà, ici. Non, ça, on s'en sort bien, je suis content. Mais il est vraiment magnifique, hein. Donc c'est le campeur, je crois, il s'appelle. Hein. Oui, c'est le campeur, mais c'est ce qu'il y a en haut. Tempête là, hein. C'est le truc qu'on a fait, on voulait faire le saut avec. J'ai tuné comme un porc après. Moi je mets les sachets par-ci l'arrière, généralement. Il s'envole, il va rejoindre trou en haut là-bas. En tout cas, ouais, mission assez intéressante avec le lance-flamme et le lance-roquette. Hein. Il fait où c'est pas très long, hein, mais je pensais qu'il y avait plus de fight. Mais moi aussi, bon, c'est encore de nous souvenir de 2004-2005. Oui. Voilà. Je pensais qu'il y avait plein de police partout. Ah, c'est bizarre. À moins qu'on ait chié qu'il y avait des flics partout. Non. En gros, nous, tu joues, tu sais. C'était pas trop dur de jouer tout avant. On a réussi, donc on a juste fait attention aux flics. L'aéroport de SF. Donc voilà où on était tout à l'heure. Attends, ouais, on va continuer tout droit. Je sais pas par contre, tu vois, si on peut y retourner à l'aéroport, si les trucs sont ouverts ou pas, ou toujours pas. Les avions, je crois pas. C'est chiant. Le Santos, c'est vraiment, ils sont ouverts. Peut-être que le chamal, parce qu'il faut avoir son permis pour que tous les avions s'ouvrent en fait. Et dès qu'on aura notre permis, c'est bon. Et dès on pourra commencer à faire notre permis de voiture aussi ici. Hein. Ouais. Faudrait y penser, hein. Parce que ça fait quand même 11 heures qu'on joue sans permis quand même. C'est vrai que CJ, c'est quand même le CJ's Beach, hein. Voilà quoi.
Alors SF, moi, c'est l'île que j'aime le moins sur les trois. Oui, moi aussi. Mais elle a quand même son charme et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'y revenir, tu vois. Mais ça me fera plaisir de la quitter aussi. Parce que l'émission, c'est quand même assez intéressante, hein, même si c'est un peu difficile parfois. Là, il y a une maison. C'est là derrière le permis, c'est derrière là-bas. Ouais. Donc voilà, l'endroit où on ira tout le temps maintenant à partir d'ici. C'est notre le sujet, garage c'est à San Fierro. Avec deux garages pour avec un chantier notamment. Quatre voitures. Exactement. Avec un grand garage, c'est ça. Là, il y a un grand. Même les deux servent dans aucun. Il y en a qu'un, je crois. Le grand. Et là, il y a un garage aussi. Et il y a un super chantier à côté. On aura l'occasion d'y retourner dans ce chantier. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Voilà, donc là, on s'est vraiment fait arnaquer parce qu'on pensait qu'on avait un magnifique garage à San Fierro. Rien du tout. En fait, on a une ruine. Là, il y a un gilet pare-balles quelque part. Attends, on va sauvegarder. Et il faudra qu'on aille le trouver, le gilet pare-balles, selon mes souvenirs si lointains. Bon, mais sinon, on t'embête pas. Attends, on va continuer à faire. On va faire quelques conneries maintenant. Parce qu'on a fait quand même pas mal de missions. On va faire quelques conneries maintenant. Voilà, nouveau skin ici, les gars. Alors, eux, ils vendent des montres pas très chères, si vous voulez. Là, comme ça, là. Donc, lui, voilà, ils sont recherchés par un. Oh putain, ça y est. C'était quoi ce que tu as dit là Moi, je leur mets un coup de 12. Hein. Moi, je suis un pecno. Hein. Chaud, t'es un mauvais. Non, mais je mets à l'épaule exprès. Pour le faire fiot. Voilà. Ah, je suis un bon. Et Sam Fierro, bien évidemment, le tramway qui passe. Magnifique. Et combien de fois je me suis carjacké au moment où le tramway arrive, le mec se fait couper en deux. Enfin, il y a des trucs absolument géniaux à faire ici. Tu mets le tramway ici, comme ça, voilà. On va se promener un peu dans San Fierro. On va notamment profiter des. Oh putain, le taxi-man il reprend. Tu trouves? Normalement, il y en a pas loin. Ah, juste derrière. Il y en a un là, normalement. Ah, juste, là. Là-bas, exactement, ouais. Dans la maison, c'est ça. Mes souvenirs sont bons, c'est bon. C'est là, ici. Hein. Ouais. Et on va voir s'il n'y a pas les nouveaux vêtements, peut-être, non? À Gap? Ouais. On peut tâter du Gap. Zip ou Gap ou je sais pas quoi, victime, tout ça, un petit peu. C'est pas là. C'est là-bas. Je sais plus. Si, là. Mais quelque part par là, en tout cas. Il est par là, normalement. Il est où le point? Mais il est là. Où ça? Ouais. De l'autre côté alors. De l'autre côté là-bas. Mais le frère aussi qu'on y allait tout le temps donc. Dans la ruelle alors. Attends, on va essayer de retrouver un gibarbal. Parce qu'un gibarbal gratos, les gars, c'est. Ça vaut le coup quoi, toujours. Eh bien, il est normal, il est dans ce truc là. Ah bon? Hop, hop. Essayez de regarder plus précisément. Bon, sinon on ira en acheter, on s'en fout. On retire, on s'en fiche. Va à la carte, je te dis où il est moi. Vas-y, dis-moi où il est. Alors, on zoom. Instant, voilà. Là? Oui. Ah bon? Il est là, ouais. Là. Là? Donc il est là, dans la ruelle, là. Ok, bon, on va essayer de le trouver, alors. Hop là. Il me semble qu'il y avait un truc ici. Pourtant, il y a un deagle, alors, ici, il y a un truc. Il y a une arme, quelque part, ici, là. Ouais, il y a un deagle. Ouais, c'est ça. Parce qu'on faisait le plein de deagle, je m'en rappelle, je faisais le plein de deagle avant d'aller chez Z. Oh putain, il y a une mission hyper chiante, ici, avec les nerds. Hop là. Tu sais, avec les hélicoptères, là, les miniatures. Bah oui, hein. C'est des missions de zéro, c'est les pires missions du jeu, oui, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, ça, fera off, hein. ça se fera même certains, plein de gens ont fini le jeu sans les avoir faites. Hein. Ah oui, c'est les permissions de GTA, elles sont facultatives. Bon, donnez-moi une putain de bagnole de merde. Allez, on va aller au gymnase aussi après. Oui, découvrir. Et on ira rencontrer la fille aussi peut-être. Hop là. Keija ici, mais Keija, bien sûr. C'est que des camés ici quoi. Mais du Master Sound, les gars, obligé. Voilà, tant que je baisse le son, c'est parti. Quoi. Non, mais là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va aller à Los Santos, foutre le bordel. Hein. Non, on va au gymnase d'abord. On va au gymnase, apprendre une nouvelle technique. Ouais, on va apprendre. Il est trop gros, le gros. Il s'en fout, il a des muscles. On va essayer de voir si on peut draguer la fille aussi, là. Allez, j'y pars mal, là. Donc, ouais, c'est les cartes très jolies de San Fierro, là. Allez, on va voir s'il est là. Comment il est là. Si t'as bien lu la carte. Ici. Oh putain, on m'appelle. Chacal. Oh, mais on s'en mange. Ah pourquoi oui, ils vont me harceler comme ça là. C'est dire, il y a ben enlève le radar. J'enlève le point. Il y a des smokes en fait qui négocient la drogue. Quand on a vu la vidéo en fait, et on avait été interrompu par Catalina, et en fait voilà, du coup ça passe en mini mission, mini activité. Bon allez, on va à pied là-bas pour apprendre des nouveaux mouvements. Donc ici vous l'avez appris, on vous l'avait dit, c'est les arts martiaux. Et ça c'est pour c'est le restaurant pour amener les copines là ici. D'ailleurs, qu'on puisse y rentrer d'ailleurs comme ça. Bah si, comme et dans San Fierro, il y a des comme ça à faire là. Il y a genre, hop, tiens, prends une photo, enfin, il y a un logo de photo en fait. Et prends les photos, il y a 50 photos ou 40 photos à prendre à San Fierro. Exactement. C'est comme les tags là-bas et les fers à cheval à la Zanturas. Il y a des milliards de choses à faire dans ce jeu. Et c'est vrai que les photos étaient sympas à faire parce que c'était un peu une... On se dit, attends, on avait l'image, on se dit, ok, qu'est-ce qu'ils font en photo, ça. Et c'est généralement que de nuit qu'apparaissent en fait les trucs. Allez, c'est parti. Allez, c'est pas mal, hein, niveau du bien gymnase. Bien fait, nouveau gymnase avec notre ami le vieux. Le vieux,
c'était Jet Li. Et Bruce Lee à la fois. C'est Monsieur Lee, regardez. Hop là, j'ai pris sa photo comme ça. Donc là, il me dit non avec la tête. Il dit non, t'aurais jamais dû me prendre en photo. Donc voilà. Donc vas-y, moi je dis ça. Est-ce que tu deviens un guerrier désir hein? T'es aussi faible que l'herbe, t'es. Pourquoi? Parce que t'es gros. Non, parce que j'ai. Ah oh, ben on va s'en. Attends. On va faire un peu de sport, de maigritude un peu. On fera un off après. Hein. Et j'en fais. Ça pas. Mais attends, il aura gardé le skin de gros porc cowboy que dans une mission, dans cette vidéo. C'est d'habitude. La prochaine, ouais. Il sera habillé en classe, en Gap. Ou en masque de hockey. Ouais. Allez, plus vite que ça là. Non, on va faire un peu de enfin, sport, peu, et après, on va un aller peu de là. Muscu pour pouvoir apprendre les mouvements. Parce qu'on a perdu notre muscu, c'est surtout ça en fait qui est important. On a perdu notre muscle, notre muscle. On n'est plus muscle glacis. On est fat. Nos glacis en plus. On est fat. On est fatigué, on est fat. Allez, perds ta graisse, perds ton larme en gros. Vas-y, fais pédaler. Donc en vrai, c'est très bien ce qu'ils ont fait des gymnases à chaque fois différents. Et c'est bien, ils auraient pu faire juste un copier-coller. Enfin, tu vois. Oui, ils en ont fait trois. Bon, après, tu sais, c'est pas très compliqué non plus. Non, tu sais, non. Ils non. Ont trois intérieurs avec trois ambiances différentes pour mais avoir trois styles de combat. C'est bien à souligner quoi. Je m'en fous de la graisse, en fait c'est pas la graisse qui est importante, c'est les muscles. Allez, c'est parti, des muscles maintenant. Allez. Et le gros là. À la Rocky. Hop là. Tout, 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 tout. Allez, vas-y, le gros là. Je pense que le prochain générique ce sera le générique de Rocky. Je pense que ça peut être Rocky effectivement là. Allez, le gros. On pensait pas le remettre, mais en fait si, parce qu'on fait des cycles. Nous on fait gros, des maigres. Allez, vas-y, j'essaie de pas trop faire de bruit avec les boutons, parce que c'est croirons, c'est comme sur Athènes 2004, et Pékin 2008 et Londres 2012. Ou Trackenfield aussi. Ah, les trucs de tournée, tout simplement. Tout pourri, il fallait mettre la manette en mode turbo pour pouvoir réussir à jouer à ce jeu. Des t-shirts pour pas se brûler les doigts et compagnie. C'est horrible, ça c'est le genre de jeu que je déteste. Hein. Vraiment, c'est nul à chier. Il faut appuyer comme ça. Allez, mais tu prends du muscle, mon petit là. Tu vas la perdre ta graisse. Allez, tu vas la perdre tes muscles. Je vais faire des haltères à côté. Et je vais mettre à fond le plus dur. Ouais. Comme ça, il va bien arriver. Tu vois, c'est le genou qu'il a. Ah, il a des cuisseaux. Mais c'est. Putain, mais chaud, c'est une espèce de gros. Yo-yo, arrête de faire le beau. Arrête de faire le beau là, t'es un gros t'es tas fat, là. T'es fat, c'est tout quoi. C'est tout quoi. Donc là, il y a des gens qui se battent, ils font du chinoiserie comme ça. Allez, commencez l'exercice. Eh le gros. Allez, 38, allez, 38 là. Il arrivera jamais. T'as vu les bras qu'il a, il a pas de bras. Allez, cette fois, objectif, on le muscle à fond. On va en faire un mec musclé, t'es. Mais tout maigre alors. Ouais, ouais, zéro graisse et que des muscles, on va essayer de faire, ok. Un Brock Lesnar. Et torse nu. Ouais, c'est ça, un Brock Lesnar, exactement. Avec le cou, je veux qu'il ait un cou, mais mon gars, mais. C'est, vous voyez, il y aura un trait des oreilles aux épaules en fait, et ce sera que des muscles. Il y aura un triangle entre les épaules et les oreilles. C'est ça, ça va être que ça. Angle droit, enfin même pas angle droit, c'est un truc de malade, vous allez voir. Notre CJ, il en a marre maintenant de pas se faire respecter. Il en a marre de ramasser les savonnettes là avec sa moustache et tout là. Enfin, c'est un scandale maintenant, vous allez voir. C'est fini ce CJ là. Comme vous l'avez dit, si même si ici il y a. Putain. Même s'il y a des coiffeurs ici, c'est les mêmes que Los Santos. Exactement, c'est les trois modèles. Effectivement. Et là, je peux toujours pas apprendre là. Viens là, toi. Petite aigre douce. Ça y est, il veut. Alors, nouveauté de ce style de combat s'il y a dehors, il y a dehors. Hein. Voilà, si tu quittes le ring, tu perds, tu vois. Ouais. Voilà, je l'enchaîne le vieux là. Je sors mon fusil ou pas? Voilà les combats qui les mouvements qu'on apprendra. Donc je le fous dehors et j'ai gagné. Ah oui. Et j'ai gagné. Regardez bien, jeune élève, et tu apprendras peut-être. Voilà. Attaque en courant. What up? Copain, copain. C'est lui qui a fait la mocap de Sleeping Dogs. Coup de pied. Attaque. Voilà. Il est fort. Hein. Trop bien, incroyable. Très très fort. Incroyable. Attaque en courant. What up? Coup de pied. Tape ici et vise. Et tape et entangle. Voilà. Coup de pied. Coup de pied qui écrase. Coup de pied dragon. Et là, attaque combo. C'est coup de pied, coup de pied, coup de pied. Et c'est vrai, c'est roundhouse kick à la Chuck Norris. Waouh. Et t'as eu mon mec qui fait hey, ah ça. Le gros, il arrive. Oh là là, ce que je lui ai mis là. Un petit low kick. Ce que je lui ai mis là. Tu lui mets. Oh t'es. Putain. Allez, vas-y, on les défonce tous. Téléportation instantanée. Tu sais faire toi. Allez, viens là, Honda. Hop. C'est moi, Honda. Hop là, c'est Honda. Vas-y, là, je m'en fous en fond là. Vas-y là, putain. Bon, toi, c'est comme ça, toi. Hein. Toi, tu fais chier. Ça bouge plus. Toi, tu fais du tai chi, t'es gay. Hop, genre, c'est des gros coups de latte qu'il lui met. Parce que avec ses gros sabots, il te met des coups. Ah, ouais, c'est parti. Entre les missions, progressivement, objectif, c'est muscle à fond, zéro graisse. Okay, ouais, zéro graisse. Et muscle à fond, vraiment, il est immonde en muscle à fond. J'ai envie de rigoler. Ah, ça. La mouche qui tue, la mouche qui tape très fort au niveau du cou. Comme ça. Il arrache le cou, là. Il arrache la gueule. Oh, ça, ils sont tous morts. Moi, je fais petit bag. Et voilà. Ah, gros, je t'ai chié dessus. Et voilà, je me suis bien essuyé mon jean qui était tout transpirant. Et j'ai même les pas en rouge. Hein. Bon, allez, on va aller à l'aéroport, on va tenter l'avion, ouais. L'hélicoptère. On va aller à Los Santos foutre le bordel. Mais on va sauvegarder d'abord. Je vais d'abord sauvegarder. Attends, je vais me faire quelques cons là. Mec, il arrive, il chasse les gangs locaux, tu sais. Mais c'est normal aussi, il faut qu'il se fasse un nom. Hein.
Bah, ils sont même pas agressifs, c'est les gangs de César. Bah oui, ils sont gentils. Ils sont très gentils, c'est comme des Groove Street. Et encore le Noob Skin qui est partout. Qui est partout, aussi, partout. C'est vraiment le skin là, qui est partout. Il y a la fille, on va essayer de la voir. Vous avez vu là? Elle est là, la fille, avec le truc bleu là. Ah bon, tu veux la voir? On va essayer de la voir. Elle va dire ah, t'es pas assez grand ou t'es trop grand ou je ne sais pas quoi. Elle aime les hommes gros, peut-être, je crois, non? Attention. T'as pas le physique, à mon avis, t'es trop gros. J'ai envie de mettre un coup de pelle. Non, mais non, tu vas la tuer, après, ça sera plus disponible. C'est pas grave. Off, ça se réglera en off, tout ça. Allez, va sauvegarder. Comme dirait Ribéry, il y a des choses qui ont été dites, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, t'as dit que j'étais grosse, là, il y a des choses qui ont été dites, ça va pas. Bon, on va sauvegarder et on peut essayer de passer le permis. Non, mais moi, j'ai commandé les produits de l'équipe de France, notamment la moutarde. Mais non, mais le truc citron. Je bougerai pas, fils de pute. Magnifique voiture. C'est ici hein, où il y a le permis voiture. Là. Exactement. Ben, on ira le passer peut-être. Plus tard. Hein. Oui, là on va sauvegarder. C'est pas tout de suite, on va sauvegarder et on va faire des conneries. On va, sinon on va, tu feras de l'aéroport directement. Sinon tu voulais faire quoi toi ici? Je te fais un peu promener pour montrer le. Bon, on fera le prochain épisode. Il y a un police maverick. Vaut mieux qu'on se promène plus tard. Ok, parce que je voulais essayer genre avec le tram, allez. Prends photo, photo. Oh putain, de peu hein. Ah. T'as eu chaud, mais j'en veux pas ta bagnole, c'est bon, c'est juste pour bloquer, juste pour voir les gens là. Prends ta caisse là. Donc le train on peut pas le prendre. Putain, mon train. Je vois ça. Le Loki. Tu leur fais peur aux Chinois. Je leur fais très très peur. Vas-y, saute port. Hop là. Tant. Remets-toi pour voir. J'ai cru que t'étais contre ma voiture. Non mais j'ai cru rêver là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fais le beau là. Cognolat. Il était contre ma bagnole hein, ce con là. Voilà. Le gros qui fait ça. Il a même pas courir. Il court même pas quoi. Il a déchiré le jean. Il s'est déchiré le cul le gros. Il a plus de jean, il a plus rien quoi. Ah, ça me fait plaisir qu'on arrive à San Firo, parce que ça avance hein. Et moi je m'amuse toujours de plus en plus en fait à ce jeu. Allez, prends la stallion toute pourrave. Attends, là c'est la gare. On prend le train à Los Santos. Ah, vas-y, on va tenter le train pour Los Santos. C'est parti. OK, donc là il y a la photo chinois. Parce qu'il y a des trucs à prendre, il y a en photo. Juste vous montrer là, les voitures gratuites là, les sultans et tout là. Ah oui. Hop là, donc là on pourra l'acheter la concession aussi. Ah, mais peut-être qu'on l'a pas acheté, y'a rien en fait pour l'instant. Je pense. Parce qu'il y a un transfondeur, donc pour tuner. Et il y a un pain spray, par exemple, y a pour tuner les voitures. Mais cette voiture là, comme on vous a dit, on les tune à l'ouest de la ville en fait. Donc du coup, faut traverser tout là-bas et aller au fond en fait. Hein. Mais je pense qu'il y a rien du coup. Non, il y a quelques missions avec, je crois. Y a rien. Donc c'est bleu, c'est-à-dire qu'on peut pas encore l'acheter. Enfin non, je crois que bleu c'est un commerce, non? Mais c'est juste que c'est pas. Tu vois, c'est... Ah ouais, c'est que non, mais c'est là. Rouge, c'est que c'est fermé normalement. Voilà. On ira tuer quelques dealers, on a dit qu'on devait y aller, mais on ira plus tard. On attend le train, j'aimerais bien pécho le train pour la Los Santos. On va pécho le train, j'y vais en taxi. Pour juste. Los Santos, et après on va. Allez, on va reste là. Faire la fausse épique à Ganton, parce qu'il y a du travail. Allez, on va faire la fausse. On a encore un peu de temps, parce qu'on avait fait. On a au moins 20 minutes. Au moins 20 minutes, parce ouais. Que les pauvres là, les amis qui regardent ça, ils font vidéo, on a eu 3 courses là. La partie 12, on fera les premières missions avec le. Tout à le garage. Fait, on fera un peu de permis, on fera plein de choses. Ah ben, à la gare. Il faut attendre le train là. Un jour on vous montrera aussi quand on doit intercepter les mecs de Big Smoke. C'est les mecs en moto, c'est tout. Hein. Oui. C'est rien à faire. Tu les tues en fait. C'est ça. Par contre, le train il s'arrête en gare là. Mais je sais pas s'il roule parce que le fait qu'on ait pas la Zentura, je sais pas s'il roule. Tu penses qu'il roule pas toi? Je sais pas s'il roule en fait. On va l'attendre. Comme ça, on va l'attendre comme ça. Genre, on a qu'à couper, hein. On a quoi couper et si on. Freeze! Je t'attends! Rendez-vous! On fait quoi? On l'attend, on coupe en off? Oh, on l'attend, on va se battre. Il devrait arriver. Sinon, on roule sur la voie pour le choper, mais pareil, il est pas à l'arrêt donc. Bah ouais, il est pas à l'arrêt. Là, il est à l'arrêt, c'est plus facile à l'intercepter. Voilà, nouveau flic à San Firo, le même uniforme parce que. Comme nous, ouais, moustache. C'est ça. Prends une photo de groupe là. Y'a pas qui aime le tenir avec Alain là? Donc, on peut aller à la zip sinon, on verra plus tard. J'ai mon sac d'école, vite, faut que je prenne le truc pour aller à l'école là. Allez. J'aimerais trop vraiment m'habiller comme ça, tu vois, le mec là. Parce que lui, il a de la graisse, ça me plaît, tu vois. Et avec de la graisse comme ça, ça doit être trop bien. Espèce de con là. J'aime bien l'animation parce qu'elle est hyper lente. En plus, comme il est gros, ça fait encore plus lent. Et il s'en fout. Il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Bon, s'il vous plaît, le train. Est-ce que le train va venir? Ça aurait été bien d'aller à Santos en train. Musique d'ascenseur sinon. Sinon on retente l'aéroport. L'aéroport. Alors on va faire une aéroportarie alors. Il y a le tramway, il y a le tramway en l'air. Vite dites. En fait ça fait rien. Hop là, le tramway ne s'arrête pas. De toute façon, on a beau faire, le tramway c'est plus ce que c'était. Même plus il suicidait tranquille quoi. Désolé mais je repars dans le hall de gare, je suis un taxi, moi je vais jusqu'au rail.
je suis un taxi, je suis très privilégié avec mes clients, tu vois, je vais jusqu'au bout. Je vais les chercher jusque là. Ouais, sautez pas sous mes roues là. Allez, dégage là, 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 voilà. Le métro, le taxi, la tramway, ish, voilà. Donc il s'en fout complet, hein. Il s'en fout totalement. Il y a personne dedans. Donc il n'y a pas de dealer ici, hein. Non. C'est une ville calme. C'est une ville calme. Il n'y a que des gens un peu homosexuels, c'est tout. Voilà. Alors c'est dommage, hein. Ils ont fait un tramway, mais on peut pas le prendre. Arrêtez-vous. Voilà. Voilà. Non, c'est ma car. Hop là. Oh, merci. J'étais en panne. Voilà, je peux plus la pousser là. Non mais je veux carjacker quelqu'un, donc attends. On va essayer de carjacker quelqu'un. Jackie Tuning. Ouais, là faut qu'il y ait quelqu'un aussi. Mais faut qu'il y ait quelqu'un là. S'il te plaît, apparaît. Lui, la voiture à droite, la voiture à droite. Là, le temps, lui, là. Lui là. Ouais. Il faut qu'il tourne là. Une ici. Attends, une ici là. Là, c'est bon, là, c'est à Lyon. Je t'en prie, regarde. Allez! Allez! Non! Oui! 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 Ah, oui. Non! Ah, non. Bah, ça reste casse, il a la protection. Il a l'immunité, tu sais. La protection qu'on sait aussi? Ouais. Test. Ah non, pas la tête, t'as trouvé son point faible. T'as trouvé le point faible. Dommage, il est dommage, hein. Il m'a dit tu peux tirer n'importe où. Allez, on retente l'aéroport. Attends. Je fais rien. Eh, t'es le mort relax. J'ai rien fait. Allez, vas-y. J'ai pris sa voiture, c'est tout. On va retenter l'aéroport. Allez, on va aller foutre le bordel à Los Santos parce que c'est à Los Santos qu'il faut foutre le bordel, c'est pas à San Fierro là. Donc non, San Fierro. Non, on est des boys. Nous, il faut les faire la misère au ballast. Il y a brouillard ici, Nick. Comme bien Nick sa mère, Booba, il y a des brouillards ici, hein, chaud. Faut pas y aller ici, hein. Faut pas y aller ici, hein. On est pas dans le vaisseau mère là. Allez, allez, allez. Bonne musique là. Ah, pardon. Keep up. Oui, les yeux sous mes roues. Mais oui, c'est. Ah, sinon, on va voir la NRG 500 à la grue là. Ouais, vas-y. Là. Et tu sais, ici là, il y a la grue, il y a la. Ah, la bullette. Il y a la bullette aussi. C'est la Ford GT40, ouais, c'est ça là. GT40, ouais. Elle est magnifique cette voiture. Et il y a aussi. Déjà, elle est ouais, mais là, il y a un défi avec elle là. La NRG 500, oui, là. Ramasser les ronds rouges, ouais. Dans... Impossible. Impossible. J'avais réussi pour 100%, quoi, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Là, il y a une liste de voitures normalement. Ouais. Parce qu'en fait voilà, il y a une grue qu'on peut piloter de droite à gauche, haut en bas en fait. Tu la mets là et en fait il dit si elle est bonne ou pas. C'est là qu'il y a la liste normalement. C'est quoi ça? Ah d'abord il faut. Normalement il y a la liste ici, hein. Mais il faut débloquer la mission en fait, parce qu'on va faire une mission ici. Et est-ce qu'elle a NRG 500? Bah elle est là-bas, hein. Elle est dans le hangar de Tobiac. Au bout là je crois, hein. La rampe je crois qu'elle est. Elle est là-bas je crois. Alors on va voir, elle est maigrie. Allez. Bon, je ne sauterai pas. Hein, on va faire avec habileté moto là, faut sauter. Un peu la Tony Hawk, mais là, tu nous as cru qu'on était qui, quoi. Ouais, chaud, on n'est pas. Si j'ai, il roule sur les jambes quand il est. Si j'ai l'énergie 500, tu la démarres, t'es mort déjà, quoi. Allez, on vous lance le défi. Elle est trop belle, hein. Allez, elle est belle, hein. Genre, on la prenait. En ont... test voilà. Non, ouais, je déteste. C'est quand la PZ 600 dans Vice City, tu sais. Mais encore, c'est la rigolade. Les gens font ouais, trop bien, t'as vu. Vous avez vu le temps qu'on a? Parce qu'en fait, il y a un chemin pour le faire. Oui, c'est un chemin. Mais toi, t'as dû bien te faire chier, hein. Ah, mais j'avais réussi, mais t'es bien fiché, ouais. Ouais, salut. Hop, c'est bon, j'ai l'énergie d'un sang, je me casse, moi, c'est de bon. Façon, le grillage. Oui. Oh là là là. Et ça, c'est une moto de la mort. Et elle est. Vous avez vu comment elle est folle? La LFR 900 à côté, c'est la rigolade, c'est vous dire, hein. Ben voilà. J'ai rien fait. Mais non, mais c'est les rails, faut pas rester sur les rails. Des planches là, n'importe quoi. Par contre, on va à l'aéroport donc on aura pas besoin de l'énergie 500. Ouais, c'est ça, mais on va quand même à l'aéroport. Prends la bullette. Hop, voilà, on va monter la bullette. Elle est par là, je crois. T'es sûr, elle est pas garée à une. Start. Fais start. Chante là-bas. Ah oui, il y a une bullette là. Zoom. Oui. Elle est. Par là, je crois. Elle est vers là, je crois. Elle est là, ouais. Oui, bah, tente, je vois. Tente, elle est là. On va voir comme ça là, attendez. On essaie de faire avec nos souvenirs, hein, les gars. Cette fois, on triche pas. Ah, c'est ouais, un truc comme ça, là, je sais qu'elle est. Ça descend ici, quoi. Ah, là, à gauche, non? Parce que, mon peu, pour la voler. Ah, elle est là. Elle est là, comme parfait. Quoi, tiens, ans, mec, je te donne ça. 10 ans après. Ah, quand même, ça se perd pas, la bullette, hein. Allez, elle est magnifique. Elle est magnifique. On va aller reporter avec coup, ça. Du coup, c'est moi qui t'ai. La comète qui était ma voiture préférée. Là, la bullette. Parce que, en conduite, elle est parfaite, quoi. Ah, elle est géniale. Elle est mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et quand on l'a tunée, bien évidemment, on peut faire les deux bandes, la bande blanche et les couleurs principales et les couleurs 1 et 2. Parce que c'est pas un jeu de PD. Et quand tu changes les. Tu l'as tunée à mort, elle a envoyé. Hein. Elle a envoyé du steak. C'est ça qui a fait plein. Aussi le succès de ces GTA, c'est qu'il y avait des dizaines et des dizaines de véhicules. Et, ça, et des nouveaux aussi. C'est totalement nouveau à GTA, ça, la bullette. Hein. Ouais. N'hésitez pas dans les anciens. Dans une nouvelle GT 40, claque alors. Bon, c'est là, je crois. Hein. Ouais. Mais des fois, il y a des glitches pour y arriver sans devoir courir en fait.
T'inquiète, moi j'ai le brevet des collèges. C'est bon, bah montre lui ton diplôme si t'as récupéré au lycée agricole. Moi j'ai ce brevet là, moi, tu vois. T'approches un peu, je te mets des kicks. tu vas me laisser rentrer là. Chaud quoi. Le 12. Le dernier qui m'a dit que j'avais pas le brevet, il est mort. Oh putain, le keuf. Chaud. Qu'est-ce qu'il fait, le keuf? Il fait le tour de sa moto pour rentrer dessus. Et a dit ouais. Et pour la peine, moi je fais le. Non. J'ai pas le droit de taper ma bagnole. Chaud, t'as pas le droit de taper ta bagnole. Enfin, c'est pas ma bagnole, mais comment il peut le savoir? Enfin, je veux dire. Ouais. Ça y est, un cowboy noir obèse, il peut pas se payer une bulette, c'est n'importe quoi ça. Pourquoi j'ai pas le droit de taper ma voiture? Non, enfin, je crois que tu tapais le bâtiment officiel. Ah, tout dans l'ordre public. Ouais, c'est vrai. Pas le droit de pisser quoi, putain, bon, on y va, suis-moi, c'était un problème. Ouais, j'espère. Sinon, il y a le Maverick toujours qui est dispo, mais j'aimerais avoir l'avion. Le Rustler sinon, en fait. Mais on reviendra. À chaque vidéo, on reviendra. Et vers la 25, quand on aura le permis avion, on reviendra et on dira yes, enfin les gars, ça y est, cette fois, vous nous croirez, ça y est, vous nous croirez. Tu sais, ça, on peut les attacher, ça. Hein. Ouais. C'est les trucs d'embarquement, mais pas avec ça, parce qu'en fait, ça, il n'y a rien dans celui-là. Ça meurt, ça. Il n'y a rien dans celui-là, c'est le baggage. Alors, tu vas aller où? On va faire le tour, hein. Hop là, donc là, c'est le dos est ouvert. Ils sont ouverts, les deux, là. Et puis, on prend soin de la guerre. Soin de la guerre, il tire, il est cool. Hop là, bon, James Brown. Allez, big payback. Il y a le Maverick qui nous attend. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait comme ça le Maverick. Mais quand on a une vraie voiture, on le fout dans l'eau comme ça, on fait casse-toi, on fait. Mais vu ma voiture électrique que j'ai là, c'est du gros CJ quoi. Hein. Je pense qu'il sera fermé. Mais peut-être que le chamal est ouvert. Il y en a un des trois qui sera peut-être ouvert. Ah, si, c'est lui qu'on veut là. On retente, moi je veux lui moi. Mais putain, allez, on retente. Le mec con jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on retente. Hein. Mais quand on aura le désir, on reviendra, tu sais. Ah non, c'est pas possible, hein, putain. Permis, il faut le permis. Retente les chameaux là, mais c'est pareil, les chameaux là, chamac, c'est pas ça marche pas. Chamac, allez, viens, laisse-moi rentrer. Non. Il descend, il fait genre, il descend et tout, hein. Mais on s'en fiche, juste en mettant son sac d'école qui me pèse 50 kilos, on augmente son endurance, c'est cool dans ce jeu. Ah, mais chaud ça va. Il fait l'animation, il descend et tout, ça va. On va prendre les avions de chasse alors. Ouais, on va prendre l'avion de la gamme et de fermer aussi. Tout est fermé pour CJ the Beach. Parce que là, moi, je vais m'investir le Santos, ça va. Il y en a marre, hein. Moi, ah, je mais vais attends, s'il tire, on peut tout mitrailler gantant. Chaud, tu descends, c'est pas là, c'est tout. Attends, c'était où là-bas? Bah, faut qu'on essaye d'y arriver quand même là, et ça va plus. Hein. Sinon, l'hélicoptère. Hein. Là, c'est chiant parce qu'on peut accéder aux hélicoptères. C'est nous, si on veut direct, on veut tout. Quoi. Bah, mais attends, mais il est plus là. Il est plus là. Faut faire un tour. Le dodo, peut-être. Ouais, il est pourri le dodo. Je suis sûr, le dodo il va être ouvert et on va ressortir tellement qu'il est pourri. Je suis sûr, s'il s'ouvre, même pas. Ah, voilà, mais ils sont même rien. Pas ouverts. Non, mais bon, mais faut prendre le Maverick alors. Allez, Maverick, allez. Que j'ai failli foutre à l'eau. Maverick, hein. Comme quoi, je suis dégoûté là, putain. Là, on s'est quitté là, la dernière fois comme ça et je pensais qu'en débloquant SF correctement, on pouvait y aller. Pour la peine. Tiens, ton bagagiste électrique de merde là. Tu vas tuer tous les poissons qui sont autour. Voilà, voilà comme Homer qui pêche. J'ai cru que la porte passager était fermée. Je faisais du gros lol. Je faisais là. Allez, on va où cette fois? À l'aéroport. Je veux prendre l'avion et on retourne à Los Santos. Ok, donc on va à Ganton. Chez le chamal là-bas. Allez, c'est parti. Sinon, on prend la T400. Il est fermé, pareil. Hein. Tout est fermé. Putain, le T400, il a encore moins de chances d'être ouvert que l'avion dodo. C'est évident. Donc, c'est horrible. C'est horrible. On repasse par la campagne, finalement on revient, on n'aime pas. Puis notre skin ça nous plaît pas, tu vois, à San Siro. On est plus des gens du terre-terre, tu vois. Franchement, la prochaine fois on sera habillé à San Siro. Ah oui, on sera à la mode. On sera la galère et tout, tu vois, sportif. Une boucle d'oreille. Les cheveux Runa et tout là, sportif. C'est un peu Jersey, c'est Jersey Shore ici. Hier, afro de couleur, non? Ouais, je crois. Ouais, bah afro blond, non, il y a des limites. Ils vont pas me parler de la vidéo. Une heure d'afro blond, j'aurai même pas. Ouais, je veux bien, t'as la nausée quoi. Ah, pardon. Bah, j'étais obligé, fallait que tu. Mais j'attendais, moi, je m'attendais à m'en prendre. À une barre et demie. Ouais, en plus, on voulait se prendre un avion, fait chier. Et toi, on est directement à. Ça va très vite, ça va très très vite. Avant l'oiseau, c'est très très vite. Mais on va quand même aller prendre l'avion. Si j'ai envie de sauter, c'est bon. J'irai me poser sur le chamal. Allez, un petit coup de Radio X. Hop là. Le temps qu'on prenne l'avion et que j'atterrisse, il fera jour et on ira pour bouvier du balas. Avec Denis peut-être, tiens, c'est voilà, et on va se faire un peu d'argent tiens aussi en même temps. Et sachez les parcelles, tout ça. Voilà ce qu'on va faire pour cette fin. Donc là il donne pas de. La piste d'atterrissage il la donne pas. Mais sinon si bien fait il la donne et en fait ça fait un trait. Non mais il la donne pour les avions, là, voilà, c'est ça. Il la donne pas. Le copter il fait tiens t'as envie de te poser là, tu t'es que dump ici. Mais si bien fait la piste d'atterrissage, ça te dit laquelle est la plus proche. Et ça te dit le sens qu'elle est et tout, elle est éclairée, enfin c'est comme en vrai. Oui. Si tu veux vraiment pas faire triangle et sauter par un jute, tu peux très bien atterrir quoi. Allez, vers où Chamal, vers là. Juste là, à gauche. Là comme ça. Allez, c'est parti sur de la superbe musique. Attention doucement pour pop. Je fais poupette, je veux pas.
On va faire un tour. Il y a un dodo sinon, mais on va faire un tour plutôt. Prends le dodo. On va faire un tour. Plutôt que le dodo, faites un tour. Hein. Le dodo qui était présent déjà dans GTA 3. Qu'on pouvait... oh, il sautillait. Il sautillait, il faisait des petits sautillis comme ça. Genre, c'était un glitch de voler dans GTA 3 en fait. Après, dans Vice City, le dodo et le skimmer, les dravions aussi. Et, le... et les hélicoptères, tout cela, Maverick. Ouais. Et le Sea Sparrow. Ah, génial, t'as qui le Sparrow. Qui est également tout en fer, à Los Venturas, à la pointe nord. Tout à fait. Et donc là, plein d'avions, c'était génial, notamment l'Liquid Hydra. Mais le Chamal qui est le meilleur quand même, parce que c'est un jet, donc il va super vite. Quand il est là. Hein. Oui. Allez, voilà. Hop là. Boum. Allez. T'as le droit de descendre, CJ, je te jure. Tu te prends pas les pales, c'est bon, va à l'école. Est-ce qu'il s'ouvre? Ah, lui, voilà, tiens, conduis. Il est à nous celui-là, tu vois. Allez, tiens, combien de fois on l'a pris? Chaud, on avait déjà, je me rappelle, on avait halluciné quand on avait vu ça quand même, c'était. Mais il est super beau, enfin. Ouais, on va le retrouver de son dans GTA 5 hein. Oui, c'était lui qui survolait là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, PMC aux portes. Captain Chocolate. Speaking. Allez, c'est parti, on en refait une. On se répète en fait. Toutes les trois vidéos, c'est la même vidéo en fait, je crois. Ah ouais, c'est comme ça. Oh putain. C'est, ah, bon. T'inquiète, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça me fait penser à un avion de Jurassic Park quand même. Regardez, c'est magnifique. Hein. Il est magnifique cet avion. Ça fait rentrer Jurassic Park. C'est vraiment un avion de ouf. Hein. Ça fait Jurassic Park 3 vols plus haut parce que. La Wagba là. Moi je vais te montrer comment je rigole. Non, voyez là, la piste en bas, voyez les trois. Moi je vole comme les, ça. Hein. Les pointillés jaunes. Moi je suis comme dans le trailer. Hein. Et après, l'US Bank. Ah, l'US Bank comme ça là. Tu l'auras pas. À la verticale comme ça. Hop là. Why did I move here? Tu vois. Allez, c'est facile. Et voilà, c'est mouru. Ce jeu. On a perdu tout mon oseille. On s'en fout, on charge, on avait sauvegardé. Ouais, voilà, vas-y, charge. Même endroit. Charge, et on prend l'avion, mais payant cette fois, pour la Los Santos. Ah oui? Ouais. Ok. Vas-y, on va essayer de faire ça. Charge. Hop là, jeu, parti, chargé. Voilà, c'est elle, hein. On venait de savoir normalement, il me semble. Oui. À peu près. Au pire, c'est pas très très grave. Et donc, oh, j'ai tenté la verticale. Hein. On est pas, tentative mob, on réussit pas toujours. Hein. Ouais, j'étais froid. Ouais. Il y avait du brouillard, voilà, l'excuse. Oui, t'aurais dû juste à la gonton. C'est clair. Non, en fait, il a voulu faire un 360 noscope, ça marchait pas. Non, mais on va vous montrer, on peut prendre les transports en commun. Oui, c'est bon, on peut prendre tout. Donc vas-y, prends une bagnole, va à l'aéroport. Eh, hey, taxi! Tu prends un transport en commun, ouais, là, effectivement. Mais. T'as fait rond? Mais non, j'ai rien fait. Bon, mais deuxième transport en commun. Tu t'es fait humilier alors, hein. Deuxième transport en commun. Eh, va attendre Noobskin là! Mais. Okay. Tu fais quoi? Tu fais rond quoi? Mais non, je fais rien, je te jure. Tu bouges. Non plus. Bah pourtant t'annules à chaque fois le carjack en faisant ça. Alors l'aéroport, effectivement on l'a vu tout à l'heure, on pouvait payer le. Dans la dernière vidéo je crois qu'on l'a vu hein. Oui. Il y a 3 jours, hein. Moi je dis tout à l'heure parce que bon voilà, vous savez, on fait le jeu d'une fois nous en fait hein. Nous c'est une épopée hein. Ouais, ça va. Ça fait la 12ème d'affilée la fin. Là ça fait 43 heures qu'on s'enregistre. Ouais c'est ça. C'est laquelle, la 11 là qu'on. On fait la 11 ça hein. C'est bien. Alors que là il y a des champions aussi, il y a donc, oui, l'arène, mais on reviendra quand on aura de l'habileté parce que bah, pour, apparemment vu comment tu conduis. Peut-être qu'on doit en avoir mais non. Non, faut passer le permis après c'est bon. Et quand on passera le permis de la prochaine vidéo, la suivante, donc là on est à la 11, donc la 12 et la 13 peut-être qu'on fera ça alors. Si j'ai bien suivi au niveau du compte hein. À droite. Non c'est là. Non. Ah oui c'est là. Pour payer, non c'est pas là. Là c'est pas mal, mais tu peux pas payer. Parce qu'en bas en fait c'est des parkings en fait. Hop. Pardon mec, excusez-moi, je voulais voler mais en fait je reviens en fait. Je voulais voler un avion. Ils roulent encore à contresens, les gens, c'est fou. Il y en a marre. Hein. Mais ils roulent pas à contresens, c'est eux qui roulent à contresens. Regarde, on roule à gauche, nous, comme les Anglais. Allez, viens là. Moi, je ne m'arrête pas. Avec ta blade, là, tu vas pas aller bien loin. De toute façon, je m'arrête pas. Aïe, attention, un mort, tu vois. J'ai croqué un mec. Et j'espère qu'on paye. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai l'oseille, t'as rien à prendre. Allez. Voyager en chameau. Là, il faut prendre deux places. Hein. Air France vend les trucs pour les obèses. Est-ce que c'est ça? Los Santos, acheté $500. Allez, c'est parti. Magnifique, hein. Départ, et regardez, et on le voit le vol. Et tu veux me faire jouer? Je suis pas revenant, après je prends le chameau. Ouais. Non, on prend pas le chameau. On va tuer des trucs, on est déjà mort, c'est bon. Putain, là t'es 4-5, les gars, c'est ça qu'on veut là. Non, on le prend pas, le passe pas, on va le regarder. Ah non, je le passe pas, attends. Et là, on peut conduire cet avion, les gars, no fake. Habillé en Mujahideen et pété Santiro. On ira. On le fera quand on aura. Golden Gate, tout d'abord le Golden Gate en 2013. Et il se casse, hein. Hop. Ils vont y croire. Donc voilà, on peut changer comme ça. Moi, avec le joystick, comme ça, je change des cinématiques. Et avec le. Normalement, tu fais triangle, tu peux le. Ah non, fake. Je crois en plus que tu fais triangle, tu peux sauter de l'avion. C'est vrai? Regarde. Ah ouais? Non. Wow, là. Et si tu fais carré, tu peux le hijacker comme ça. Tu peux le voler. Parce qu'en plus, comme t'as la tribu Mujahideen, tu sors ton couteau et tu peux le. Il est vraiment énorme l'avion. Dommage que vous vous rendez pas compte, mais. Vous allez voir qu'on va le conduire. On va le voir en vrai, il est vraiment.
Généralement, on s'envole pas avant le bout de la piste. Regardez. Merde, la cinématique, j'ai trouvé une belle vue là. Là, ouais, c'est joli ça. Là, regardez comme il est gros par rapport au bâtiment là. Bon, c'est un peu fail parce qu'il vole très bas quand même. Hein. Ouais, il vole très moi, bas. Moi, j'ai des gens qui volent là, comme il vole, ça. Là, il vole une barre et demie. Là, ici, il est pas peur du clipping le mec. Hein. Et bam, genre le fail de l'IA quoi. Ah, c'est joli en tout cas. C'est bien. Alors, est-ce qu'on est à côté du bleu là, là? Non, non, on est une rangée entière nous. On s'est allongé en fait, du coup, il y a nos pieds d'un côté du bleu et notre graisse de l'autre côté en fait. On est déjà il y a plus de brouillard là. Ouf. Et là il va atterrir, hein. On dirait vol 113, ça va péter. C'est moi ou les turbines sont en feu? Non, les turbines sont à l'arrêt surtout. Triangle. Ah mais c'est bien fait hein. Moi j'aime bien moi. Et bon, bon, façon, on l'a tous pris cet avion, genre dans les transports en commun, dans tout le sens du terme, on l'a pris en payant, on l'a pris sans payer aussi cet avion. Et on le voit atterrir. Ouais, ouais, exactement. Donc on va le regarder, Est-ce que ça va être aussi violent? Donc il a pas sur l'atterrissage, hein, parce qu'on les enlève avec L3, mais tout est bien fait. Regardez, là il prend la bonne trajectoire, vous avez vu? Voilà, il arrive là. Il prend la bonne. Bah, pas comme nous quoi. Quand je change là, j'essaie d'avoir une belle vue. Derrière. Là il va à Alcatraz après. Voilà. Il nous amène. Mais il a une correspondance. Un bug du jeu. Une correspondance à Alcatraz. Regardez, il arrive bien. Il atterrit déjà. Et chaud, et sans roue. Et putain, et voilà, et pop. Sans roue, et pop. Et là ça brûle, Concorde style. C'est fini quoi, Continental Airlines. Bon. Il attend quoi pour poser son cul par terre parce que... Ok, c'est bon. Il y a des coups. Parce qu'on est déjà à la fin là, regarde. Et voilà. Ça va très très vite. Hein. Ah ouais, bon, en vrai, pas aussi vite quand même. Je veux dire, il volait pas très vite aussi. Non. On l'a vu. Il volait pas très haut non plus. Hein. Il était très faible. Il volait pas très très haut non plus. Ça sent l'escroquerie tout ça quand même. Je me permets de douter des capacités du pilote. Et on voit que c'est CJ qui descend. Ah, c'est moi. Et voilà, donc 500$ pour ça. Et là, on va l'étudier l'heure pour la peine. Donc, toi, tu vas chercher le chamal. Ouais, je veux le reprendre. Faut rentrer parce que là, on n'est pas du tout là en fait. Hein. On va être au terminal là. Ouais, t'es terminal. Ouais. C'est assez loin. Non, voilà, c'est pas loin. Ici. Voilà, donc là il y a plein de taxis, c'est bien fait, ça vont pas les prendre bien évidemment. Mais voilà, donc c'est bien en payant, c'est bien. Si vous avez on la flemme. On va faire le con à SF au truc de golf. Quel truc de golf? C'est élevé. Où ça? Ah, c'est élevé le ouais. Truc de golf. Ah, lui là, lui il veut pourrir. Hey Luigi, viens là. Hey Luigi. Il y a des flics partout là. Pas grave, je lui dis. T'as pas l'air d'un bon terroriste, t'as l'air d'un bon américain. Ah, le gros qui court après les pizzas quand même. S'il y a plus de pour lui voler sa boîte à pizza quand même, chaud hein. Raté. Le fail. Tu es tous excités maintenant. Attention. Mais. Le fail. En fait, tu sais quoi. Voilà, voilà, voilà pourquoi je joue pas. Voilà, parce que lui, il s'est conduit en fait. J'ai complètement perdu le gameplay de. Et tu conduis bien sinon. Allez, va-t'en. Là, tu mets des casques pas faits pour ce que son pote le fait chier quand il parle. Du coup, il laisse son casque comme ça. Accélère, 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 accélère. La Emperor. Donc, c'est là. Donc voilà, faut repartir là-bas effectivement. Ah, mais putain, mais c'est pas vrai. Ouais, ils ont été gentils, hein. Ils ont compris qu'il avait. Qu'il, le mec failait quoi, il fakeait quoi. Allez, ici, fais gaffe aux flics, ça traîne un peu ici, hein, je crois, non, pas loin. Voilà, j'ai peur de personne. On revient ici, là c'est là la c'est rue. C'est ça, bon, t'inquiète. Ouais, non, je sais, mais la rue on courait, là c'est là où on avait fait la course avec César. On mine de rien en avant, c'est bien. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, comme on va à l'aéroport, les gars. Ça. Comme c'est... au golf dans Vice City, un petit peu comme c'est ça. C'est comme ça qu'on va à l'aéroport. Enlève ton flingue. Bon, là, c'est juste, c'est les flics ou. Enlève ton flingue. Là. C'est balade. Non, c'est le flingue. C'est deux. Oh, mais pote, il fait défoncer par le Vagos. Par il est Vagos, et tout le monde. C'est super. La fête. Nous, on est là tranquille, sans club, sans crew, sans rien. Bon, vas-y, va en dodo jusqu'au chamal. Hein. Toujours, bah attends, le gros, il va pas aller jusqu'au chamal. Déjà qu'il est à pied, quoi. Il sue, il en a marre déjà, il est en grève, quoi. Bah, si je m'arrête. Ok. Non, si tu arrêtes un peu plus longtemps, il sort un JBC de son jean et il le déballe et il le mange. T'as vu la gueule du tableau de bord? Je trouve que ça peine, il est rentré, ça démarre. Ouais, il vérifie même pas les niveaux. Ouais, c'est bon là. Ça sautille, ça saute, ça touche. C'est comme ça qu'on conduit un dodo. Et en sauté. C'est comme ça qu'on conduit un dodo. En plein d'aller en feu. Non, je voulais faire quitter quand. Écoute. Oui, voilà, il décroche. Du coup, donc là, on voit que j'ai l'aile qui est un peu défoncée. Non, c'est comme le stunt plane qu'on mettait dans le trail GTA 5 qui met du pesticide comme ça là. C'est pareil, là, tu mets de la pollution en mer. Touche pas au chameau. Allez, mais pique du nez avec ton dodo là. Voilà, donc les gens ils te voient, ils font. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il y a un mec avec un dodo, il vole à 1 mètre d'altitude et il saute, ok, bon, très bien. Allez, je vais tenter l'atterrissage sérieux et après je te passe la manette, on ira mettre quelques sachets des parcils. Je pense que tu vas encore mourir, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer. Bon. Mais si t'atterris bien à Ganton, c'est Ganton. Bah des deux, ton canton c'est infesté pareil. Hein. On va essayer de se faire quelques dealers effectivement. Faire une sorte de mini garde des gangs, hein, c'est plus de territoire malheureusement. Allez, on essaie de se concentrer. Essaie de... Voilà, ouais. Donc on va 10 minutes vers le sud et c'est bon, on va... Là, puis le termine là, je te bousille quand tu veux là, j'étais assez un avion là. J'ai pas viens le coup de Battlefield là. Viens là. Là c'est Easy Money là. Pas test. On prend la tour de contrôle dans la tête, tiens.
Donc là il y a l'observatoire, on n'est jamais allé, mais il y a l'observatoire ici. Il y a plein d'arbres ici, les figures. Et après il y a la mairie, il y a des endroits où je vous ai pas montré où sont tous. On les montrera. Un jour, on a déjà montré le Convention Center, hein, il me semble. Hop là. Allez. C'était ici ou quoi? Ah ouais, c'était ici. Cette rue là, exactement. Plus à gauche, je crois que je vous dis. Voilà, c'est la bonne rue celle-là. Voilà, c'était parce que dans la vidéo, en fait, j'ai un montage avec toi. Oh, comment tu voles pas du tout haut ni vite, c'est marrant. Aucune sensation de vitesse, quoi. C'est normal, tu as l'arrêt. Voilà, mais il est vraiment extrêmement maniable. Ouais, je les prends, ok? Je les prends. Il y a des arbres avant. Ouah, putain! Ça passe! Sors! Barre-toi! Pardon! Prends l'étoile! Pardon, famille, tout ça! Voilà, c'est bon. Réussi, mission accomplie. C'est bon, il veut te taper. Hein. Wow. Oula! Voir l'avion, c'est dans quel état il est là? Oui, il est bien là. Il est encore utilisable? Oh, easy! Très bien. Regarde. Eh, attends, mais non, mais faut savoir. Le mec en a commandé un sur Amazon là devant lui, on lui livre. CJ, il le bouge l'avion. Le Royal Mail quoi. C'est ça quoi. Il est chez lui quoi. Chaud quoi. Livraison à domicile. Voilà quoi. Bon, je repars maintenant. Quelqu'un m'aide pour le créneau, faut reculer quoi. Allez, je recule. Oui, par rapport à GTA 4. Allez, poussez-vous, je recule. CJ peut pousser tout ce qu'il veut. Même la T400, et il va péter par contre à force. Qu'est-ce que tu fais là? Il va péter, hein. Tu vas t'allumer les moteurs, il va péter. Ah, là, il fume noir, faut se barrer là. Oh putain! Non, je suis mort! Oh là 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 là! Il s'est pas joué, quoi! C'est un gros fail! Bon, mais chargé! Bah ouais! Est-ce qu'on va arriver à Los Santos? Avant la fin de la vidéo? Oui! Oh là là! Trop bien, on y est sinon là! On va charger, viens là plus tard. Charger! Hop! On reprend l'avion, on fait passer! Ouais, là, on va réussir à charger la partie, voilà. Le fait, c'est de l'annuler, de la casser. Oh, je sauvegarde. Attends, je vais changer ma partie. Vous voulez vous sauvegarder avant? Oui. Ah. Attends, oui, mais Famous, il est traître parce que il te dit de sauvegarder avant de charger. Et ça, c'est vraiment traître. C'est vraiment petit. Puis en plus, quand t'as une vidéo que tu fais pas attention, mais tu niques tout ça. Puis en plus, quand t'as Antonisé, qu'il a pété toutes les sauvegardes de Yox sur sa plaie. Bon, j'ai réussi, mais après j'ai voulu faire le cracou et voilà quoi. En fait, dès que t'aurais dû atterrir, t'aurais dû me passer la manette en fait. Hein. tu me l'as pas donné. Hop là, va-t'en toi, cognon, on a du temps, c'est pas grave. Oh oui. Allez, troisième prise, reprise, continue quoi, allez. Cette fois on repaye, mais on arrivera à bon port. On a chargé donc on a rien, comme si c'était gratuit. C'est hein. ça. Voilà, moi je sais beaucoup conduire une fois, mais pas toujours. Hein. Après, il y a des missions marrantes, si je me rappelle bien, vous rappelez le voiturier aussi, tu sais, oui, à l'hôtel par rapport à certaines missions. Il y aura la tenue de voiture avec CJ. Les tenues sont excellentes, sauf qu'on les perd quand on meurt en fait, contrairement à nos habits. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il, parce qu'il y a la tenue de flic qui est exceptionnelle, mais on la perd dès qu'on est en comme ça. Elle est belle, dès qu'on meurt. En bleu, mais du coup, c'est bizarre parce que tu perds pas tes habits, enfin, quand t'es nu. C'est bon de savoir qu'il y a une étoile ici. Hop là, c'est bon de savoir que je peux rouler sur le Vario sans me faire chier, sans me faire tirer dessous. Allez, la boulette! Qu'est-ce que t'as? Essaye de me tester là, je vais faire cramer du pneu, essaye de me tester là. Tu peux courir hein. Il y a que CJ qui me rattrape, il y a que Contador avec son vélo qui me rattrape là. Là je commence à aller comme Contador un petit peu là. Hop, dans les montées seulement. Dans les descentes c'est inatteignable en voiture. Allez! Sauf qu'il a déjà gagné le Tour de France. Fait qu'il participe pas. Mais si, il fait la petite surprise comme au Royal Rumble. C'est number 30, comme ça il arrive et hop. Allez, on va payer encore, mais bon, vu qu'on allait charger. Il roule encore à contresens, mais c'est incroyable. Il a rien compris le gars. Putain, mais viens là toi. Espèce de conducteur du dimanche. Déjà une étoile, fais gaffe, pas. J'en avais déjà une. Tout le monde écoute ta mère, je mange ta crotte là. Allez, rate pas moi comme ça là. Allez, hop là, attention. Y'a le keuf. M'en fous, je paye mon billet. Et là, c'est parce que comme Jason Moon et tout, ils se battent dans les aéroports, ils se courent après et tout. Dimanche 11h20, sinon on prend le même vol, c'est bien. Et là, on peut sauter si on a envie. Mais la fin de la vidéo fait, on arrive. Dès le décollage, on n'arrive pas à clôturer quoi. Alors, on va essayer de passer, voilà, je vais passer directement. Effectivement, ça fait 20 minutes qu'on galère dessus, mais c'est pas grave. On vous montre du trajet San Fierro Los Santos. Vous en voulez, vous en avez. Voilà, donc cette fois, il était bleu, maintenant il est rouge. Hein. Il a changé de couleur entre vols, je crois. Oui. Il a changé de couleur entre vols. Non, c'était bleu, le tien, le bleu. Ah non, il est bleu. Non, il est rouge. Il est bleu, il est gris. Je rigole. Et il va toucher le rouge, attention là. Et là, ici, on vient faire des roues avant en moto. Hein. Allez, je rigole, pas noir là. Allez, on reprend le chamal. Allez, on retente un chamal. Non, mais quand on aura le permis, on aura tout le temps des parachutes, du coup tu peux sauter n'importe où. C'est très intelligent d'atterrir à Ganton avec le chamal, quoi, dire, ça touche bien au niveau de l'envergure. C'est assez large le boulevard, ça se fait dans le milieu. Bon, ils m'ont laissé rouler avec ça, donc c'est cool. Allez. Il le finit après. Tout le monde lui roule dessus, quoi, il a rien fait le mec, il a rien demandé à personne, il est mort avant d'avoir compris. Allez, on va aller faire la fosse sceptique un peu là. Allez, Ganton, je vais me faire quelques dealers là, putain. T'as 7 fosses à faire, hein. T'as 7 paquets. Hop là, 6 peut-être, non maintenant.
Attention, il y a quoi? Il n'y a pas un glitch ici là? Voilà, il y a un glitch ici là, je connais. Après, on tombe dans l'Underworld, on finit le jeu. Hop là. À Nice, on est souvent dans l'Underworld. Hop là, après, il y en a un carte de fils et CJ et tout, donc vous connaissez pas ça? La 4L. GG quoi. Allez, roue avant là. Oh putain, il commence à être chaud là. Il est chaud, CJ là. Il est chaud, bouillant. Allez, reviens à mes. Ah, ça se lève pas, ça se lève pas. Ah, ça se lève pas avec sa graisse de porc là. Ça ne se lève pas, mais non, ça ne se lève pas. Tu veux faire tout ce que alors, tu veux. Alors que là, par contre. Ah, mais là, dès qu'il se penche. Dès qu'il se penche, on. Il le pneu, quoi. Ça, il est déjanté, quoi. Allez, regarde, les balades de merde, direct les balades de merde. On va aller voir Denise, peut-être. Ouais, si elle est là. On va aller les bouillir à deux là. Vu qu'on l'a jamais sorti, la Denise encore, elle est encore enfermée en train de geeker, quoi. Viens là. Adore de jouer à code, quoi. J'espère pas, sinon je le mets un coup de fusil. Si tu me redis ça, je mets un coup de fusil. Eh, t'es pas là, connasse là? Ah, c'est ta copine ici, pardon. Trompé de. Excusez-moi, on s'est trompé de copine là. Non, elle est pas là. Mais c'est pour dire, reviens là, tu vois. Viens là, bitch. Je tire dessus pour savoir si elle est là, tiens, elle est pas là. Y a plus de Groove Street, donc on peut plus recruter. Donc lui, il s'en fout. Allez, un peu de XP-age de hop là, de Dirty Gull. Il est relax lui hein. Totalement relax. Hop là. Il y a des PD derrière moi. Quels sont derrière toi, c'est pas bon généralement. Vas-y viens. C'est des PD chaud, quoi. Surtout c'est PD derrière toi, t'es foutu. Ah c'était la minute raciste. La minute raciste, homophobe. CJ phobe. Allez, il est pas assez gros. Non, il est trop gros, il y en a marre hein. En plus, je suis même. Attends, faudrait que je maigrisse, parce que je me le ferai en off. Ah, ouais. On maigrira parce que. Sera musclant. Et peut-être qu'en fait, on aura séduit la fille et du coup, on vous amènera quand on fera une sortie avec elle en fait. Ah, pas con ça. Comme ça, on aura la fille, du coup, on essaiera de. Juste parce qu'en fait. Maintenant, il y a balade de merde. Vous êtes là pour la fête d'OG là? Je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dealer là-bas. Il va me plaquer cette partie, les gars. Il veut quoi là? Il va s'acheter des parties. Il va s'acheter, ouais. Tu veux Tosma? Tu veux Tosma? Ah non! Oh non! Reviens! Bon, j'attends alors. Tu veux Tosma? Attends, ouais, attends, viens. Attire-le. Ouais, viens. Attire-le, t'es. Hey, you, hey. Ouais, viens. Viens. Il y a un truc là, il veut le Tosma ici, là. Ouais, il y a une dose par terre. Viens. Il va avancer. S'il est dans cette direction, c'est qu'il avance après. Viens. Il va avancer. Viens. Il avance. Oh, baby, yeah. Make my day. Il fait un pas, regarde. Allez, viens. Make my day. Allez, viens. Allez, viens. Petit. Y'a pas un débile qui a fait une vidéo, allez, viens, yeah. Je crois. Allez, c'est bien là. Encore un petit peu. Moi, je me recule un peu, je veux. Attention. Je veux du Tosma, je veux du Tosma. Boum. Tu connais l'Irak? C'est là qu'on m'a entraîné. J'ai fait mal. Bon. Et boum. Il s'est envolé, hein. Il s'est envolé là-bas. Il est parti. Il est là. Il est là. Il est parti. Il est plat, il lui manque un bras. Allez, c'est pas le bug, hein, c'est quoi, il est coupé en deux. Non, hachoir quoi. Bon alors, il y en a d'autres. Oh là, il est petit là. Voilà. Attendez, vous avez gagné un magnifique. Non, on attend. Ah non, il marche la pute un peu, toi. Eh, tu peux monter une voiture? Ça ferait un truc génial. Ah, dès que l'autre ce matin, 4 la boum calibre. Oh là, l'attentat terrible. Mais il a pas honte ce clochard. Il a une ceinture explosive. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Suicide bomber, t'es comme Arkman de Deck Terrorist, quoi. New guy. Il a déclenché avant le mec, quoi. Oh, il a failé, quoi. Putain, c'était pas où qu'il fallait avoir, c'était des balasses. C'est dégueulasse, quoi. Il y a un balasse de merde là-bas. Où ça? Ah, ouais, là, à droite, il y a des balasses. Là. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un piéton, tu sais, le foutre en sachet. Ouais, exactement. Il va vers les balasses. Non, mais dès que tu mets un sachet, il court généralement le mec parce que c'est. Et il va avoir les balasses en vrai. Oh, mais j'ai ça aussi, hein, ils me font chier. Il voulait faire des lampes avec, j'ai bien fait lui prendre. Il veut faire quoi, des lampes à l'eau jeune ou quoi? Oh, mais attends, le mieux sur une voiture aussi, hein, le mieux. Il y a un dealer à gauche et un balasse à droite. Après, tu fais ça. Balasse de merde. Tu la tapes là. Tu tires pour qu'elle accélère comme ça. Prends ton truc là. Tu la suis. Pas qu'elle disparaisse. Allez, pas qu'elle disparaisse. Je m'en fous, je vais péter. Au pire, c'est disparaître. Allez, là, faut qu'elle s'arrête. Allez, mais cours, gros lard là. Il peut pas. Putain, voilà quoi. Ah, mais attends, on est bête. On va aller à 8 ball. Ça coûtera moins cher. Attends, on va aller à 8 ball. Tosmater, t'as raison. On va aller à 8 ball. Je crois que ça marche à 8 ball. T'as une étoile, le flic. Putain, juste, il y a les flics en plus. T'as eu chaud. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, mais on s'en fout là, me tirez pas dessous là, moi je veux juste de la roseille moi. Mais il avait fait des conneries. Perds l'étoile. Oh, il a tué le flic. Il a un sachet.
Oh non. C'est parti. CJ, c'est parti, quoi. Il contrôle plus rien. Deux étoiles, c'est... Mets ton sac d'école, CJ, on s'en va. Prends ton moto, on s'en va, tu seras puni au coin, CJ, quoi. Attends, je veux juste faire un coup de truc, là. Un coup de 8-ball pour voir s'il marche, s'il est activé ou pas. Parce que 8-ball, c'est la joie aussi, hein. Les voitures au coin du parking comme ça, au feu rouge. Eh les balas, viens, carjack moi, boum, comme ça, là, ça fait tout péter. T'as deux étoiles, va dans la rue à la droite. Oui, mais les sachets éparcils, les gars. T'as plus de gilet, hein. C'est extraordinaire, je vais en chercher un. C'est vraiment extraordinaire, les sachets éparcils, c'est. Ils vont te flinguer. C'est la meilleure chose du jeu. Quand t'avais. On chargera une partie avec les trucs qu'on les a à l'infini. Moi, je vais en acheter à fond, hein, s'il faut, hein. Je vais en acheter à fond. Bah ouais, achète ta maison. C'est le truc le plus drôle, hein. Des filles, quoi. Non, c'est bon, des balas de merde. Balas de merde, là. Oui, c'est bon. Oh, c'est, il a rien fait, les gros, tu le tues là. Calme-toi, là, gros porc. C'est bon, gros lard là. CJ. Il est pas gros, il le tue pas là. Avec qui t'es là? Ouah, y'a un cuffade là. Allez, on y va, on continue. Tu veux faire quoi alors du coup là avant pour se quitter? Allez à 8-ball, après on se quittera là-bas. Ok. Allez, on va à 8-ball. Clac, clac, clac. Il suffit de courir, le flic, on le sème. Allez, je pense que là c'est bon là. Non, je crois que c'est pas bon. Mais si, c'est bon, je vais dans le motel. Personne ne vient dans le motel. Hop, on accélère. Voilà, bon. Il écoute de musique de gay, Si, c'est ça, rien. On peut plus rien faire pour lui, quoi. Bounce, quoi. Mon dieu, Bounce. Allez. Il dit balas, il écoute Bounce, c'est pas possible, quoi. C'est comme si le mec, il disait. Ah, oh putain, vite, ah, faut le bouillave. Ah. Comment on fait pour l'attraper, là? On peut rien, on saute, hop. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il refait la silhouette de la vidéo, tu sais. Chaud, quoi. J'ai vraiment le cardiaque, il s'arrête pas, là. Il s'arrête pas, là. Biva le centre, c'est un firo. On le suit. Non, mais l'ordre. Là, c'est un train de marchandises celui-là. Il y a un train de voyageurs, bien évidemment. Parce que les voyageurs là-dessus, ça tient pas trop, quand même. Alors, fais gaffe, parce qu'il y a pas des flics qui pop from nowhere. Parce que c'est sournois ici. Hein. Mais t'es, on dirait un peu un ballast, mon mec, là, t'es. Ouais, c'est un peu. Ça pixelise, on dirait un ballast. Là, dès que t'es dans ces voitures, on dirait un ballast, quoi. C'est voiture... un ballast ou quoi? C'est une voiture de ballast ou quoi, là? Bon, 8-ball. Non, d'abord, le J par balle et 8-ball. On va y arriver à finir, vous inquiétez pas, on avait du rap dans cette vidéo. Non, on a trop, mais on s'en fiche, y'a pas de durée. Hein. Oui, le minimum c'est une heure, maximum c'est. Maximum c'est. Il faudrait quand même qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Hop là. Là, là, les balasses de merde. Les balasses ils sont vraiment. Ah, mais non, c'est pour ça qu'on va... on a plus trop. Oh, mais il y a un PD là-bas. un PD là-bas. L'utilité, ah, t'es PD toi? L'utilité à Los Santos. Tenez, chaud, y'a un cuffade. D'aller à Los Santos parce que y'a. Il y a beaucoup de balas. Plein de balas, il te harcèle à mort, hein, à mort. Allez, vas-y, zou. 8-ball, on y va à pied, on continue. On y va à pied, ouais. Tu vas les semer de toute façon là. Je vais les semer là, même si je suis gros, malgré ma forte corpulence. Hop là, à pied. Pff, on me voit pas, je suis derrière l'arbre. Bounce encore, mais c'est quoi? C'est la voiture. C'est une voiture de... Elles ont le DAS ou quoi, la voiture? La vitesse à San Fierro, la voiture. Il voulait me choper ou quoi, le flic, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Esquive, Jean-Yves, là, boum. Allez, on va à 8-ball, tu pourras la prendre, si tu me carjacker, tu pourras la prendre. Quand tu veux, après. Tu pourras la prendre quand tu veux. Tes amis avec, faire un tour. Bon, j'en ai marre, je paye le paint spray, moi. Une étoile, je paye le paint spray, moi, je suis un riche, quoi. Non, voilà. c'est un gros lard ce CJ. Les flics te reconnaîtront jamais, ils m'ont dit qu'on n'a pas vu sortir, c'est bon ça. Hop là, vous êtes tout cabossé, c'est bon. On va perdre notre graisse dans la prochaine vidéo possiblement. Et j'ai envie de faire même un méga muscle, ça va être trop drôle. Oui, un gros porc muscle, genre un méga muscle. Un monsieur muscle, mais ça prendra 2-3 vidéos. Ils avaient fait des super gros, genre, maximum gros et maximum musclé, et le mec il ressemblait plus à rien. Parce qu'il avait de la graisse, mais on voyait ses abdos encore, on le fera. Le sauvage. C'est un animal. Là on ira voir Denise. C'est un animal. On verra si elle veut. Alors 8-ball c'est là normalement. Bah c'est là quand ça a chargé. C'est là quand ça a chargé, c'est ici 8-ball hein. Raté. Donc 8-ball c'est ici même de GTA 3 il me semble normalement. Sur ça la boule de billard, le 8. Gare la bombe. Gare la amorce et casse-toi parce que ça pète tout seul en fait hein. Oui, tu actives pas le téléphone comme dans GTA 4. Donc tu veux faire un attentat comme ça ici, tu te mets là comme ça. Non, faut aller à Ganton avec des balas et tout. Là, ça allait en tuer toutes les voitures là. Ouais, mais c'est pas mort. Moi, je veux des balas. J'en refais une autre, c'est pour tester. On teste. Cachez-vous. Voilà ce que ça fait. Donc, les fois que ça fait, mec. Et là, à tour de rôle, ils vont tous se péter normalement. Ah, en tout péter là. Donc là, je me prends des étoiles alors que c'est pas moi, j'ai rien fait.
Je ne peux pas être tenu responsable de l'explosion et du mauvais état des voitures à côté, hein. C'est deux étoiles maintenant. Bon, bravo. Bravo, bien joué, fumier. Je n'avais rien fait, pourquoi on me met des étoiles? Moi, je dirais... Là, il y a le katana, là. Ah, putain, on va le prendre. Pour découper la graisse à CJ, voilà. Mais là, il connaît les armes par cœur ou quoi? On dirait qu'il connaît le jeu par cœur ou quoi, les mecs? Ah, là, le katana, il est très bon. Les très, très bon. Et tout, là. Il coupe la tête et tout, quand ça. Il fait... Après, en plus, c'est... Voilà. Allez, hop. Voilà. Comme ça, il se tient. Voilà. C'est génial, le katana. Bon. Deux étoiles ou quoi, là? Attends, on va chercher les trucs. Ouah, des étoiles, là. On préfère... Coup, on montrera du macadam aussi, à quoi ça ressemble. Oui, on montrera, mais vers la fin, ça. Oui. Parce que pour l'instant, on a à Saint-Hiro. Là, on a voulu finir, faire le con à la Santos. Ah, vas-y, okay. Mais on charge, au pire. T'es bien mort 10 fois, hein. Allez, ta merde, tu la bouges, ta moto, là. Ouah, tu veux une carjack, toi. Allez, hop, là, moi, je mets en mode 4-4. On fait quoi, maintenant, du coup? Bon, on va arrêter, je pense. On va arrêter, je pense. Ouais. Hop là, parce que ça ne rime plus rien de faire n'importe quoi. Vous voyez que dans ce jeu, t'es pris. Et hop là, comme on n'avait pas fait trop les tours des cons depuis pas mal de temps. J'ai pas compris, il fait un braquage, il est nuit. Ouais, chaud. Et un famille de vol de camionneur. Yes là. Je propose à CJ. Ah, je voulais. Sème le flic. Hein. Je veux coter un dealer comme ça. CJ est gros, il montre jamais là. Il fait pas 4 mètres surtout. Il est trop gros. Bon, on se casse. J'abandonne. Il y a la moto de clic ici, donc oui. Il est faible le katana là. Putain, mais il est faible le katana, je vais crever quoi. Putain, c'est un mauvais, hein, c'est un gros bidé quoi, allez. Espèce de gros lard de merde. Allez, viens, on va dans la maison voler. Allez, allez, suspense, a le temps. Le gros va-t-il crever? Non, on va se quitter au Clucking Bell. On va quitter, ouais. Et on mange ou pas? Ouais. Comme un porc. Avant de maigrir, on mange comme un porc, une dernière fois. Histoire de fêter notre corps. Une dernière fois. Ça va sortir. Peut-être là comme ça. Alors. Non. Su. Trop gros. Une fois sur trois. Trop gros. Bon, ok, trop gros. Bon, on va au gymnase alors directement. Non, non, tu vas bouffer là. Trop gros. Je vais crever là. Non, non, c'est bon. Tu pourras rentrer là. Ils vont te flinguer un peu, mais c'est. Yo, mama. Allez, le gros. Sinon, c'est la... ouais, c'était sûr qu'on mange des. Oui, on se quitte. Ok, bon. On quitte comme ça. C'est vous, c'est moi qui mange les double donuts. Allez. On va se quitter avec un menu bucket pour notre ami CJ. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour l'autre partie où on ira foutre le bordel à Saint-Fierro, puisque on va aller s'installer maintenant à Saint-Fierro. On va arrêter de venir foutre la. On est très mal reçu ici. Oui, hein, c'est n'importe quoi là. En 10 ans, bah pas à la PMI, tu connais CJ quand même. Ouais, le gars, là, ça fait 10 ans, ça fait 10 fois qu'on vient ici, comment? Ouais, j'en prends un autre et j'ai pas envie de grossir en fait, ce qu'on va maigrir en fait. D'accord. Voilà, c'est bon, juste pour la vie. Voilà. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous dit à bientôt alors. Vous n'êtes pas des vrais poulets en plus, vous. Des hommes poulets. Des hommes poulets, quoi. Et voilà, merci, au revoir. Au revoir. Now I'm